Hey, bonsoir. Alors, j'ai l'impression que Twitch chat c'est encore. Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, en exclusivité, après avoir tout raté, après avoir tout perdu, y compris ses vêtements, celui qu'il faut désormais appeler Robert Lafondue. Bonsoir. Alors non, le Twitch chat ne s'était pas déconnecté, il a juste été un petit peu long à la détente. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé une bonne nuit, que vous avez bien dormi. Alors oui, il y a la bourre. Mais voilà. Je me suis retrouvé hypnotisé par le live de Chief Mencoon, j'ai vu que l'Octaria lançait son live, donc je vais la voir. Elle me dit qu'elle live avec, elle dit qu'elle live avec Gorilla. Je vais aller mettre un lurk à Gorilla aussi. Je regarde sur son Discord. Et je vois qu'il lance à 20h. Je fais 20h. C'est un putain, mon live. Et oui, c'est des choses qui arrivent d'être en retard. Surtout comme ça fait un moment qu'on n'a pas live le lundi. C'est une. Voilà. On ne dira rien d'autre. Donc vous avez mon planning juste là. Ah oui, bah oui, il y a un beau fail là aujourd'hui, hein, Maxur. Ah oui, clairement. Dans ma tête, ça fait oh putain, mon live. Donc vous avez mon planning juste là. Ce soir, on est sur du Mass Effect. On va continuer Mass Effect 2. Je sais pas à quel pourcentage de l'histoire j'en suis. Mercredi, ça va être un mercredi découverte spécial Souls. Parce que je vais découvrir un Souls-like. Alors, est-ce que je vais être salé ou pas? On verra mercredi. Et on verra aussi mercredi si je prévoirai d'autres lives sur ce jeu. Si c'est le cas, je les ferai, je pense, en alternance avec les South Park. Parce qu'il faut que je les finisse aussi. J'ai tellement de jeux démarrés qu'il faudrait que je arrive à finir, moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Samedi, on a Skull and Bones à 14h. On verra bien ce qu'on fera. Et on verra bien avec qui on sera. On verra comment se déroulera le live. Et dimanche, du Hydronir en mode. On fait avancer un petit peu l'état de la chaîne et tout ça, parce que bah, il va falloir l'augmenter, il va falloir l'améliorer avant de penser à partir dans une autre parcelle. Et pour l'occasion, dimanche, vous aurez une nouvelle récompense de points de chaîne qui sera activée. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir. Je vais la préparer, je vais préparer tout ça bien, et elle sera faite pour dimanche, vous n'en faites pas. Je vais essayer de reprendre les montages pour les vidéos courtes de Gridfall, parce qu'il faut que je définisse pour pouvoir finir le jeu, donc faire le DLC du jeu. Parce que ce jeu, j'ai énormément apprécié, comme j'ai le DLC, bah, il allait être fait en même temps, mais il faut que je finisse les montages avant. Donc, voilà. J'en profite encore pour remercier toutes les personnes qui participent à ma sponsor actuelle. Alors, vous avez encore jusqu'à demain, mais je ne sais pas exactement quelle heure. Est-ce que je peux... Normalement, je dois pouvoir me connecter là. tac, est-ce que je peux donner une approximation de l'heure, moi? Donc je vous remercie tous de participer, de donner un peu de votre temps pour faire ce qui, bah, pour faire ces petites étapes. Tac tac tac. Pardon. Ouais, alors, login. On se log. Faut que je fasse attention en même temps à Mass Effect qui ne se ferme pas, parce que j'ai tellement de mémoire pour mon mot de passe de ce compte que... Voilà, quoi. Alors, dashboard...
Il va pas me mettre, je pense qu'il va me mettre un nombre d'heures qui reste. Ah non, un peu plus longtemps. Pourtant, je l'ai lancé mardi. Ah non, vous pouvez aller jusqu'à. Ouais, il y a encore 1 jour et 19 heures. Ouais, donc vous avez encore jusqu'à mercredi après-midi apparemment. Avez encore jusqu'à mercredi après-midi apparemment. On va la laisser aller jusqu'au bout, hein. Donc encore jusqu'à mercredi après-midi pour participer. En attendant, bah là on va passer sur la petite fenêtre de jeu, parce que bah, Mass Effect, c'est un très bon jeu, et puis bah mine de rien, ça me manque, hein, Mass Effect. Bien que je l'ai fait pour la reprise, donc ça fait à peu près une petite semaine. Allez, on se retrouve tout de suite sur le jeu. Ouais, il y a Twitchat qui est lent là. Il va passer après? Non? Un refuge qui s'appelle l'Oasis. Twitchat est un peu lent, mais je sais pourquoi. Merci Maxou pour les 2000 points de chaîne que tu as mis dans le défi. Vous êtes monté à 62 000. Vous allez le faire, hein. Vous allez me le remplir. Vous allez me le remplir. Vous avez encore combien de temps? Oh, 14 jours, bah c'est easy. Vous allez le remplir easy. Aïe 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 aïe, faut que je prévoie un live horreur moi bientôt. Oh. Bon, allez, on part sur le jeu, on continue Mass Effect 2. Et là, on va faire des missions secondaires, je pense. Mercredi, c'est fini. Il y a des chances, ouais, que vous finissiez mercredi, ouais. Il y a des chances. C'est à voir combien de personnes arriveront encore aujourd'hui, mettront des points aujourd'hui, combien d'autres mettront des points mercredi. Bon, il reste un peu plus de 10 000 points. Je sais que Blu-ray, quand elle va être opérationnelle devant le PC, elle va mettre 2 000 points, donc ça fera 11 000 points manque à mettre. On verra. On verra bien ce que ça va donner, hein. Allez! On est toujours sur Mass Effect 2. Évidemment, reprendre la partie. Hein. On va pas redémarrer. Hein. Hop, alors, je devais faire quoi là? Journal. Ah, dossier Tali. Ah ouais, d'accord. Alors, les missions secondaires vont attendre. Je suis désolé. Tali, c'est plus important. Rendez-vous à mon Storm dans le système sous contrôle GAD. Alors, système Dolan et Storm. Allez, on va aller chercher Tali. Et avant, parce que je ne l'ai pas fait la dernière fois, on va discuter avec tous les membres de l'équipe. Parce qu'on a fait une mission importante, je crois. Shepard, que puis-je faire pour vous? Donc, on va voir s'ils ont des choses à nous dire. Des idées pour nous préparer au mieux contre les récolteurs? Désolé, j'ai fait ce que je pouvais. Là, j'analyse les technologies des récolteurs. Rien à signaler sur l'équipage dont je devrais être au courant. Le personnel de Cerberus est en excellente condition. Rien à signaler du point de vue médical. Quelques problèmes en suspens, mais rien d'inquiétant à court terme. Vous êtes satisfait du labo? Plutôt. J'ai localisé plusieurs dispositifs espions, détruit la plupart, restitué le modèle le plus coûteux à Miranda. Rien d'inattendu. Il me faut plus de matière, davantage de données sur les récolteurs, d'échantillons de tissus. Tout ce que vous trouverez, indice. Un chargé sauvage apparaît, attrapez-le en tapant Poke Catch, les gagnants seront révélés dans 90 secondes.
Vous avez un peu de temps pour parler ? Une autre fois. Test d'armes biologiques imminents. Pas sur nous, évidemment. Précision superflue, mais Joker s'en est inquiété. Autre chose ? Je vous laisse. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Donc lui, c'est fait, il a rien à dire. Toi ? Commandant, désolé, je suis un peu distrait. C'est personnel. Ça n'affectera pas mon travail. J'ai du temps devant moi. Quel est le problème ? Je le répète, c'est personnel. Je ne veux pas nous faire perdre du temps à courir après du vent, mais je... Eh bien, un fantôme est revenu me hanter l'autre nuit. Je vous écoute. J'ai reçu une mise à jour sur la situation du Hugo Gernsback, le vaisseau sur lequel servait mon père. Il a transmis un SOS la semaine dernière pour signaler un crash et réclamer des secours. Shepard, ce vaisseau a disparu il y a 10 ans. Et ça faisait déjà 3 ans que je n'avais plus parlé à mon père. Je croyais en avoir fait le deuil. À mon avis, ce n'est rien de plus qu'un signal de détresse automatisé qui tourne en boucle. Ça fait trop longtemps. Charby a été attrapé par Asia Music. J'aurais cru que vous seriez plus enthousiaste. Je ne l'ai pas assez connu pour en avoir de mauvais souvenirs. C'est une blessure refermée depuis longtemps, mais... S'il est toujours en vie et qu'il a besoin d'aide, la redirection des signaux de détresse vers le Normandie n'a rien d'une procédure normale. Le signal a été basculé sur mon système malgré le filtrage de Cerberus. Une opération secrète de Cerberus, peut-être ? Qui vous a transmis l'info ? Ça m'étonnerait que l'homme trouble laisse une opération piétiner aussi longtemps. S'il y a un lien, c'est sans doute une question de fric. Cerberus a besoin d'argent frais pour financer divers projets. Des projets comme vous. Et celui qui est derrière ça a effacé ses traces. La question c'est, pourquoi ? Pour me faire chanter ? Pour me déstabiliser ? Avec eux, rien ne me surprendrait. Hey, bonsoir Soleil ! Comment tu vas ce soir ? Ça coin-coin ? Vous ne vous entendiez pas avec votre père ? Il n'a jamais fait d'excuses, je lui accorde au moins ça. Les erreurs, on les assume jusqu'au bout, quitte à récidiver. Nos problèmes remontent à une éternité. J'ai eu 10 ans pour m'en remettre. Et pour autant que je sache, ce SOS ne change rien à la donne. Parlez-moi du Hugo Gernsback et de sa fonction. C'était une frégate affrétée sur fond privé. J'ai dépouillé le manifeste de mission quand elle a disparu. Rien de spécial à noter. Une opération de recherche-acquisition somme toute classique. Trouver une planète non répertoriée, la revendiquer et occuper les lieux aussi vite que possible pour évincer la concurrence. Bah écoute, ça va, on est tranquille sur du Mass Effect. Ça mérite le détour. Transmettez les coordonnées à Joker. Merci, commandant. Je ne m'attends à rien de plus qu'une vieille carcasse rouillée, mais je préfère en avoir le cœur net. Sa mission de loyauté. Alors, du côté de Joker, qu'est-ce que t'as à me dire ? On file tout droit vers l'œil du cyclone et toi, tu penses qu'à t'envoyer une pute à Sari. Hey, je te permets pas. C'est pas ce que tu crois. Elle est tellement... Bah, tu peux pas comprendre tant que tu l'as pas vue. Ok. Ah bah, oui. Bon, c'est pas dramatique, hein. Après, la mise en route, elle est somme toute classique, hein. Oups, désolé. Je me suis trompé de canal. C'est quoi ce bordel ? Mais non ! Non, bordel, non ! ce petit passage, je crois que je ferai un clip. Ok, je te mets ça après le dialogue.
avec je te mettrai ça après le, je te la mettrai en route après le dialogue avec avec Joker Soleil. Coucou Océane, est-ce que ça coin coin pour toi ce soir? Hey commandant, c'est dingue non? Le monde est petit, vous trouvez pas? Je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'a fait rudement plaisir de revoir Kyle Dan. Capitaine Alenko, c'est bien ça? C'est une période de ma vie que j'aimerais mieux oublier, Joker. 2 années de perdu. Ok, bien compris, commandant. J'imagine que tout est en ordre par ici. Chut. Joker? Elle nous écoute, je vous dis. Je vous écoute toujours, monsieur Moreau. Je sais. Alors, Océane, alors j'oublie des fois de le faire, mais le ça coin coin, c'est pour. C'est comme ça que moi je demande si ça va. Je suis un canard, donc ça va, ça coin coin. Non, mais je t'ai pas demandé d'éteindre la lumière du micro. On va repasser sur la couleur que j'aime bien. Voilà, et on continue le dialogue. Qu'est-ce que vous pensez de notre situation? Le Normandie n'est pas encore tout à fait prêt. Il reste des parties à améliorer. Maintenant, si vous parlez d'équipage, ça, c'est pas mon rayon. Qu'est-ce que vous pensez de nos nouveaux coéquipiers? Alors, si vous voulez parler de votre dernière mission, jamais je ne critiquerai Miranda. Je n'ai aucune envie d'en subir les représailles. On dirait que Garrus s'est sorti le balai qu'il avait dans le cul et qu'il s'en sert pour faire de nouveaux trous aux autres. Ça me fait mal de dire ça, mais je préférais l'ancien. Attention, c'est juste mon opinion. N'allez pas répéter ça à tout le monde, hein. Bah oui, hein, je mets les copains en leur, hein. Portée de la force, tout ça, tout ça. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Ça vous arrive de penser au vieux Normandie et à ce qu'on a traversé? Ouais, le bon vieux temps. Sauf que le bon vieux temps, c'était un calvaire avec des guettes, sa reine, Sovereign. Et on s'est fait lourder. Bon, c'est sûr, on a connu mieux. Mais on a connu pire aussi, non? Qu'est-ce qui est arrivé au reste de l'équipage? Je croyais que la plupart avaient survécu. La plupart, oui. Presley est mort. Les autres... Bah disons qu'on s'est plus ou moins perdu de vue. De toute façon, l'Alliance ne voyait pas d'un très bon œil la présence de non-humains dans le groupe. C'était votre équipe, commandant. Après votre départ et la destruction du Normandie, nous n'avions plus aucune raison de rester ensemble. C'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant. Alors, Soleil, non, c'est pas la première fois que j'y joue, ça doit être la deux ou troisième fois, je crois que c'est la troisième fois que j'y joue. Par contre, sur la Legendary Edition, c'est ma première run. Alors, notre cher canard... Donc le petit caneton soleil nous a demandé une musique, on va la mettre. Hop, on monte un petit peu le son, je vérifie que ce soit pas trop fort sur... Je monte là, je baisse là. Voilà. Merci Blurry pour les points de chaîne. T'en as mis 20 000 toi, mais tu... T'abuses. J'attends pas des masses, hop, que je remonte d'un cran. Shepard, la cuve récupérée sur Corlus présente des signes vitaux Krogan stables. Elle est remisée dans la soute, si vous souhaitez l'examiner. Voilà, on pourra faire sortir le Krogan. Ok.
quartier de l'équipage. Ça faisait longtemps que je n'avais pas aussi bien mangé. Je ne pensais pas que Rupert en serait capable. Alors, l'histoire de Mass Effect, elle est assez énorme, assez fat à raconter. En gros, le premier... Pardon. On découvre l'existence des récolteurs qui veulent venir à nous récolter tout être vivant de la galaxie technologiquement avancé. Donc, on essaye de les empêcher de le faire. On y arrive à ce moment-là, enfin, on y arrive... Un peu compliqué à expliquer en fait. Hein. On a des. Non, c'est les moissonneurs, les récolteurs, c'est dans ce jeu. Donc c'est les moissonneurs dans le premier. Je me mélange parce que c'est très complexe. Des moissonneurs. Et là, on a des récolteurs qui capturent énormément d'humains partout dans la galaxie. Donc on enquête pour savoir pourquoi, pour essayer de les arrêter. Et en fait, l'histoire entière l'histoire se déroule sur les trois jeux. Je ferai le 3. Il y a le 2 qui est en VOD sur ma chaîne YouTube, mais bon. Comme tu n'aimes pas les replays, voilà, ça va être compliqué. Mais il faut savoir que les Mass Effect, c'est des jeux où à des moments, tu as des choix, dans les dialogues ou dans des situations, tu as des choix à faire qui impactent l'histoire. Donc des choix qui impactent l'histoire, aussi bien que la fin aussi, elle est libre à ton choix en fait. Tu as trois fins disponibles. Et donc, on peut mettre en pause la musique. Et on choisit comment on finit l'histoire. Donc le 3 sera fait après, évidemment. Et là, on va aller voir Garrus. Vous avez besoin de moi pour quelque chose ? Ouais, je veux discuter. Vous avez une minute ? Ça peut attendre. Je suis en plein calibrage. Il a toujours cette phrase, je vous jure. On se reparlera plus tard, Garrus. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Ouais. Garrus Senpai. En matière de gameplay, pas mal, ouais. J'ai plus le nom du site, mais il y a un site internet qui te permet à peu près de te faire une idée de la durée d'un jeu. Donc si tu veux savoir la durée que le jeu va prendre, faut que je retrouve le site. Mais là je ne l'ai plus, je crois que c'est Oolong Beat ou un truc comme ça. Je vais jeter un œil tout de suite. Après ça dépend de comment tu joues. Moi par exemple, je suis un slow runner de fou. Alors c'est où? Je crois que ça doit être ça. Je suis un slow runner, donc moi les durées des jeux alors mince. Effect. Alors, par exemple, pour faire la Mass Effect Legendary Edition, il faut 107 heures. Voilà. Mais celle-là, c'est les trois jeux. Sinon, le premier... si tu fais juste l'histoire, t'en as pour 17 heures. Et sinon, ça va jusqu'à 43 heures. Le 2, c'est 24 heures et t'en as jusqu'à 50 heures. Et le 3, c'est pareil. Et après, t'as Mass Effect Andromeda qui a une énorme différence. Un rototop sauvage apparaît, attrapez-le en tapant Poke Catch. Les gagnants seront révélés dans 90 secondes.
Ouais, en termes de durée de vie, il y en a. Et comme, bah, comme tu as des choix à des moments, donc ça va impacter, ça va faire des choses qui vont changer. Par exemple, là tout à l'heure avec Joker, on a parlé de Kaydan. Mais Kaydan, bah, il peut ne pas être présent. Parce que... Qu'est-ce que t'as encore à être en décalé comme ça? Parce qu'en fait, dans le premier jeu, il y a un moment où bah, t'es avec deux personnes et il y en a forcément un des deux qui doit mourir. Et c'est toi qui choisis. Et donc là, dans cette run-ci, j'ai choisi de faire survivre Kaydan, là où dans ma run précédente, j'avais choisi l'autre. Et je me suis dit, je vais essayer ça pour voir ce que ça va donner, voir les différences que ça va m'impacter, enfin que ça va me donner dans le jeu. Donc il y a des moments, il y a des décisions qui sont très importantes. Par exemple, un personnage dans le premier que j'ai réussi à sauver aussi, on va le voir là dans le 2. T'as des relations aussi. Tu peux avoir des relations avec les personnes qui t'accompagnent, tes partenaires là dans le jeu. C'est assez intéressant. Rototo a été attrapé par tout dans le soleil. C'est assez embarrassant, mais je n'ai pas le choix. J'ai besoin de votre aide. Je n'aime pas aborder les sujets personnels, mais c'est vraiment important pour moi. Par exemple, avec Miranda, tu peux avoir une relation. C'est d'ailleurs la première relation que j'ai eue dans Mass Effect 2, c'est avec elle. Miranda, vous faites partie de l'équipe. Dites-moi ce qui se passe. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit sur mon père ? Sur la dynastie qu'il voulait fonder. Si j'ai demandé la protection de Cerberus, c'était aussi pour une autre raison. J'ai une sœur, jumelle, qu'il pourchasse encore. Cerberus a veillé à sa sécurité, jusqu'à maintenant. Elle mène une vie normale sur Ilium, tranquille, loin de mon père. Et vous pensez que son père a retrouvé sa piste ? Précisément, commandant. Mes sources indiquent qu'il a remonté sa trace jusqu'à Ilium. J'ai cherché à la cacher sans qu'elle en souffre, mais je suis à court de solutions. Il est trop près. Il faut que la famille de ma sœur change d'air avant qu'il ne soit trop tard. Relation amoureuse. En gros, tu peux être en relation amoureuse avec un des personnages qui t'accompagne. Et à chaque fois, la relation à un moment du jeu, en fait, c'est plus ou moins scripté. Hein. T'en auras forcément une, mais elle se traduit par une scène un peu particulière. Qu'est-ce que vous savez sur votre sœur ? C'est ma jumelle génétique. Nous sommes identiques. Mais elle mérite de vivre normalement. Et j'ai bien l'intention que ça continue. La famille de votre sœur est au courant ? Ça ne les dérange pas de devoir déménager ? Ils ne sont au courant de rien. Ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est normal. J'en ai informé Cerberus qui va trouver un prétexte pour les faire partir. Vous voulez que je fasse quoi ? Mon père est extrêmement persistant. J'aimerais aller sur Ilium quand Cerberus organisera le déménagement, pour m'assurer que ses agents ne s'en mêlent pas. Le nom de mon contact est Lanteia. Elle nous attendra au salon près de la baie d'amarrage de Nos Astra. Alors, de base, je pense que coder n'importe quel jeu, ça doit être compliqué. Elle est là, mais elle me dira rien, parce que j'ai pas encore le... Bonjour. Vous avez une minute ? Ben oui. Vous avez vraiment fait le bon choix. Il fallait beaucoup de courage pour tenir tête à Zaïd, mais je suis contente que vous l'ayez fait. Ben ouais. Bah lui, hors de question, c'est le seul où je changerai jamais d'avis. Z. Bon, bah on va descendre. Salle des machines. Et on va aller sortir le Krogan. Un méchant. Alors lui, je sais pas trop s'il est bon, enfin s'il est gentil, s'il est méchant. Je suis partagé, mais en gros, en fait, t'as des personnages que tu vas recruter et tu dois faire ce que dans le jeu ils appellent une mission de loyauté. En gros, tu dois faire une mission pour avoir sa loyauté parce que la mission finale, elle est
très compliqué. D'ailleurs, je vous le cache pas, je cheaterai pour cette mission-là. Hein. J'utiliserai un programme qui me dira qui mettre dans quelle partie parce que je veux pas de mort. Mais lui, en fait, sa mission, elle. J'avais un choix, en fait. Non, les morts comme ça, les runs où je m'en fous de qui meurt, je garde ça pour les jeux d'horreur. Les jeux d'horreur type. Dark Picture Anthology que je fais via le défi Point de chaîne. Et donc pour The Head, en fait, à un moment, il y avait un choix. Soit on l'aidait à buter la personne qui voulait buter. Mais si on faisait ça, y avait énormément de gens qui mouraient, des innocents qui se faisaient tuer. Et enfin, qui mourrait dans le truc. Et ça, je peux pas. Est-ce que j'ai déjà joué à Satisfactory? Alors, oui. J'avais commencé une run en live sur ce jeu, une run modée. Mais en cours de route, ils ont fait une annonce. Et j'ai posé la question sur mon Discord. Ils ont fait une annonce qu'ils allaient sortir la V1, donc la version finale, donc sortir d'Early Access cette année. Donc avec toute l'histoire, avec tout le endgame et tout ça, ça arriverait cette année. Donc j'ai posé la question, est-ce que je continue ma run, quitte à me prendre toute l'histoire en pleine tronche et pas tout comprendre? Ou alors j'arrêtais et j'attendais la sortie de la version finale et la compatibilité des mods, bien évidemment. Pour avoir toute l'histoire tranquillement et faire une run tranquille pour comprendre toute l'histoire ensemble, et bah tout le monde a décidé de me faire attendre la sortie de la version finale. Par là, je crois qu'on a personne. Ah, si, c'est lui, tiens. C'est magnifique, hein? Je l'ai pris à un chef de guerre Krogan nommé Kazak. Il menait les berserkers hors d'Omega il y a environ 17 ans. Mais il faut ça. C'est vraiment une mission. Le mec a essayé de prendre d'assaut un transporteur qui m'avait pris en stop. Grosse erreur. Il peut. J'ai poussé Gezark au duel. J'ai fait sauter ses jambes, pris son flingue et tué tout son commando berserker. J'avais jamais vu un Krogan autant amoché. J'ai pris son casque pour me souvenir de son expression de souffrance. Tu pouvais pas éviter de me couper la parole, toi, hein? Sinon, oui, Satisfactory, c'est un jeu que j'adore. J'ai commencé le jeu, je crois, avec. Ils étaient à l'update 3, je crois. Enfin, j'ai commencé le jeu avant qu'ils intègrent les fluides. Donc, au moment où j'ai commencé le jeu, on avait les générateurs à charbon, mais pas besoin d'eau. Et à cette mise à jour-là, j'ai pété un câble quand j'ai vu qu'il fallait que j'amène de l'eau à tous mes générateurs à charbon. J'ai dit, bon, bah, on va recommencer tout, parce que non. Alors, oui, honnêtement, Satisfactory, les jeux comme ça me plaisent pas mal. J'en ai un autre en réserve que je ferai aussi à un moment, je trouverai un moment à faire en live. Mais oui, les jeux type Satisfactory, j'aime beaucoup. Bon alors, qu'est-ce que tu veux me dire, toi ? Mission passée. Vous avez une minute ? Vous pourriez apprendre quelque chose d'intéressant. Ça a été violent. Ouais, bon, c'est bon. Et j'en ai combattu des esclavagistes et des pédophiles. Alors ça, par contre, qu'est-ce qu'il me dit ? Les esclavagistes avaient enlevé une petite fille sur le système. Et c'est qu'il a foutu des caméras partout. Il utilise le système. Mais on l'a récupéré plus tard sur le chemin d'Omega. Mais il s'est branché sur le système des caméras de du Normandie, lui. Mais
pas touche. Cette arme est une antiquité. Je l'appelle Jesse. C'est une arme porte-bonheur. Elle a fait plus de morts à elle seule que le Red Skylien. Ça a été un véritable déchirement de la ranger. Je donnerai toutes mes armes pour qu'elle puisse m'accompagner. Ne serait-ce qu'une dernière fois. Oui, oui. Bah, je fais pareil. En fait, je mets mes centrales à un endroit où il y a de l'eau, et comme ça, c'est plus proche. Après, comme je t'ai dit, Satisfactory, je joue en version modée, donc j'ai un mode qui, entre guillemets, téléporte les ressources. Ça m'évite d'avoir des convoyeurs qui traînent partout. Vraiment, ça m'évite d'avoir des convoyeurs qui traînent partout. Donc, voilà. Mais ouais, je suis relativement organisé sur Satisfactory, au point que, par exemple, avant de commencer à faire des chaînes automatiques, j'attends d'avoir accès au charbon. Donc, la dernière fois, ça m'a pris, je crois, 2 ou 3 lives de 4 heures pour arriver à ça. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à couper les arbres juste pour pouvoir alimenter mon usine. Ah ouais, franchement, c'est vraiment plus propre hein, quand t'as pas de convoyeurs qui traînent partout. J'ai même un mode qui... Alors oui, celui-là, oui, c'est un mode ultra cheaté. J'ai plus besoin de câbles électriques. L'électricité, elle est automatique partout en fait. Dès que j'ai un générateur qui fonctionne et qui envoie de l'électricité, elle est disponible sur toute la map. J'ai pas besoin d'amener de câbles électriques ou autre. Donc oui, lui je trouve qu'il est un poil cheaté, mais c'est pour mon confort de jeu. Ah oui, c'est un modèle réduit du Verrican, une frégate turienne, un sacré vaisseau, avec 5 hommes et ce qu'on pouvait d'armes, on avait pour mission de le détruire de l'intérieur, impossible de gagner, et pourtant, tout le monde est mort sauf moi, tel un héros. Ça a été ma première mission impossible en tant qu'indépendant. Il y en a eu plein depuis, mais elle reste ma préférée. C'est si beau de voir un vaisseau de guerre turien s'écraser sur une planète. Bah attends, je crois que t'as encore tout qui est expliqué là. Non, j'ai désactivé le truc. Alors, je vais réactiver cette commande. Tac, tac, tac. Où elle est? Elle est là. Hop. Tac. Voilà. Et je l'ai désactivé. Tu as un lien, en fait. C'est un Google Doc où tu as bon, les modes que j'utilise. Mais tu as aussi une explication pour mettre des modes sur Satisfactory. Par contre, après, il faut utiliser le launcher du mode pour jouer au jeu. En fait, il fera la différence si tu le lances en version... Enfin, si tu le lances via le launcher classique, la version à la façon classique. Le jeu se lancera sans mode. Si tu le lances avec le launcher du mode, bah, il va se lancer avec les modes. Et je crois aussi que tu peux, dans le launcher, lui dire d'activer ou de désactiver les modes. Mais ça fait un moment que je ne l'ai pas lancé, donc là, je pourrais pas te le certifier à 100%. Mais de rien, il y a énormément de modes sur Satisfactory. Franchement, quand je suis tombé dessus, même moi, j'y croyais pas que c'était modable et qu'il y en avait autant. Genre, t'as des personnes qui ont fait un mode de colonie. En gros, t'as des gens à un moment qui arrivent et faut que tu amènes faut que tu fasses de la nourriture, tout ça. Donc voilà, il y a vraiment des modes de fou. Le sujet est stable, Shepard. Intégration réussie au système embarqué. Ouais, pas de soucis. Bah, je sais pas ce que tu vas faire, mais... Fais-le bien. À tout à l'heure, Soleil. Il peut voir quelque chose là-dedans. Il sait où il se trouve. Peu probable. Son activité neurologique actuelle indique un état cognitif minime. Sauf dysfonctionnement électrique généralisé, les nutriments de sa cuve peuvent le maintenir en vie pendant plus d'une année. Un chaglam sauvage apparaît, attrapez-le en tapant Pokécatch. Les gagnants seront révélés dans 90 secondes. Je n'ai pas les données nécessaires pour vous répondre.
La technologie du chef de guerre Okir pouvait transmettre des données, non des processus mentaux. Le sujet peut connaître son point de vue sans pour autant le partager. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce gaillard ? Rien de particulier ? Le sujet est un exemple exceptionnel de l'espèce Krogan, doté d'organes primaires, secondaires et, le cas échéant, tertiaires parfaitement formés. Aucune déficience, hormis les marqueurs génétiques du génophage présents chez tous les Krogan. Je ne suis pas en mesure d'évaluer les fonctions mentales. Attention, je vais ouvrir la cuve pour le laisser sortir. Le protocole de Cerberus est très clair vis-à-vis des technologies non humaines inconnues. Je ne tolère pas de dissension sur mon vaisseau, même de la part de mon vaisseau. Vas-y. Très bien, Shepard. Les commandes sont activées. En appuyant sur l'interrupteur, vous en assumez les conséquences. Chaglam a été attrapé par Asia Music. Humain, masculin, votre armure est plus légère que celle d'un Krogan. Avant de vous tuer, j'ai besoin d'un nom. Je suis le commandant Shepard et je réagis mal aux menaces. Un conseil, calmez-vous. Pas votre nom, le mien. J'ai reçu de l'instruction, une formation. Mais la cuve, Okir n'a pas pu implanter de lien. Ces mots sonnent creux. Chef de guerre, futur, héritage, Grunt. Tiens, un nom guttural dénué de sens. Ça fera l'affaire. Je m'appelle Grunt. Si vous êtes digne de commander, prouvez-moi votre force. Essayez de me vaincre. Pourquoi vous voulez que j'essaie de vous tuer ? Vouloir ? Je fais ce que je suis conçu pour faire. Me battre et m'imposer. Rien dans la cuve ne m'a jamais demandé ce que je voulais. Je ne ressens rien envers Okir, son clan ou ses ennemis. Il n'a pas su me faire à son image. Sans une raison de ma part, un combat en vaut un autre. Autant commencer avec vous. J'ai envie de partir un peu vers ce côté-là, moi. Je vous ai accueilli et je vous ai libéré. Suivez mes ordres et vous aurez un rôle. Dans les images de la cuve, rien n'indiquait que les humains pouvaient être si énergiques. Vous donnez l'impression de mériter votre commandement. Mes ennemis menacent des galaxies. Chacun ici a gagné sa place à bord. C'est acceptable. Je vais me battre pour vous. Vous avez bien fait de vous montrer raisonnable. Ah, vous me tendez un bras et vous armez l'autre. Bien dit, Shepard. Si je trouve un clan, si je trouve ce que je veux, je serai honoré de vous affronter à sa tête. Bon, on a pris des points dans le pragmatisme, mais j'ai envie de partir un petit peu du côté pragmatisme. Juste voir un petit truc. Ouais. On est un peu trop conciliant. Faut monter un petit peu par là, tu vois. Bon, je veux pas faire du full pragmatisme, hein, mais... voilà, quoi, un petit peu, quoi. Bon, causons, toi. Je parle. Je passe juste voir si vous vous acclimatez. Les humains parlent trop, comme la cuve. Revenez plus tard. Qu'est-ce que vous pensez de notre mission ? Je me bats. Pour qui ? Ça, peu importe. Okir vous a donné des instructions sur les récolteurs ? Je vois les vaisseaux flous, à la force incertaine. Rien qui permette d'exploiter une faille. Okir se consacrait entièrement. Tout ce qu'il avait, il l'a investi pour me fabriquer. Qu'est-ce que vous pensez de notre mission ? Je me bats. Pour qui ? Ça, peu importe.
Qu'est-ce que vous pensez de l'équipage? Du bien s'ils ne se mettent pas en travers de ma route. Des meurtres, sinon. Ne les ménagez pas si vous voulez affronter les récolteurs. Certains de ces aliens sont... trop lisses. Qu'est-ce que vous pensez de notre mission? Je me bats. Pour qui? Ça, peu importe. Il y a quelque chose dans vos images qui peut nous servir à exploiter ces ressources? Je peux peut-être bricoler quelque chose. Ça vaudra ce que ça vaudra. Alors, lui, il peut m'apporter des améliorations. Au niveau des améliorations de vaisseau. Ouais, c'est l'infirmerie, je veux pas la faire. Au niveau des prototypes, c'est les armures là. Ah, ça, ça m'intéresse. Grâce à l'entraînement, on peut modifier la répartition. Aucun point n'est accordé. Ce projet de recherche peut être lancé. Oui, non, ça c'est pour réinitialiser son truc. Bon, on va faire ça déjà parce que avoir un peu plus de santé. Voilà quoi. Et puis pour l'instant c'est tout. On fera toutes les autres améliorations plus tard. Là, je suis impatient d'aller retrouver Tali. Je regarde où est-ce que c'est déjà. Et alors, journal. Le dossier Tali. Ok, Tali. J'espère que ça va me l'afficher sur la map là. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Ok. Merci pour tout à l'heure, que gogo, et bon live à toi. Un message de l'amiral Steven Hackett, QG de l'Alliance. Commandant Shepard, j'aimerais discuter avec vous d'un sujet sensible, en privé. Je prends l'appel dans mes quartiers. Et merci pour les points de chaîne. Le docteur Kenson en territoire butarien. C'est un agent secret, Shepard. Nos contacts sont réduits au strict minimum. Elle enquêtait sur une rumeur concernant un artefact. Son dernier rapport indique qu'elle l'a trouvé. Que pouvez-vous me dire d'autre sur cet agent? Amanda n'est pas seulement un excellent agent de terrain, c'est une scientifique de grand talent. L'une des rares personnes capables de réussir cette mission extrêmement dangereuse. C'est une amie de longue date, commandant. Je ne peux pas l'abandonner à son sort dans un camp de torture butarien. L'Alliance a toujours refusé d'admettre la menace que représentaient les moissonneurs. C'est une preuve solide, j'imagine. L'équipe de Kenson a découvert un artefact dans l'espace butarien. Elle pense qu'il s'agit d'un appareil moissonneur. Un signe d'une invasion toute proche. Je la connais depuis des années. Si elle pense que la menace est sérieuse, il vaut mieux vérifier. Vous n'avez pas peur qu'une intervention de l'Alliance dans une prison secrète déclenche la colère des butariens? Ce n'est pas une opération de l'Alliance. C'est une personne seule qui part sauver une amie. Si c'était une mission officielle, les butariens seraient furieux. Naturellement, je compte sur votre discrétion. Ce serait plus simple si je pouvais prendre mon équipe avec moi. Pas question, c'est trop dangereux. Kenson est mon ami. Et si les butariens voient débarquer des soldats armés, ils tueront Kenson sans hésiter. Je ne plaisante pas, commandant. Accomplissez cette mission discrètement ou ne partez pas du tout. Je vais en faire une priorité.
La prison se trouve dans un complexe souterrain d'Aratoth, un avant-poste butarien. Je vous transmets les coordonnées. Dès que vous l'aurez libéré, vérifiez ses affirmations. Nous en discuterons à votre retour. Compris. Fin de transmission. Ah là 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 là. Ouais, mais j'ai pas encore acheté de poisson en fait. Faut que je retourne à la citadelle acheter des poissons. Après avoir fait la mission de Thalée, faut que je retourne à la citadelle, faut que j'achète des poissons. Et le nourrisseur automatique aussi. Vous n'avez pas de message, commandant. Ok, merci. Alors toi, est-ce que t'as un truc à me dire? J'ai parcouru les rapports sur Horizon, commandant. Vous avez vraiment brillé. Le compte-rendu mentionnait la présence de Kaidan Alenko. Qu'est-ce que ça a donné? Pas grand-chose. Le passé, c'est le passé. Je comprends. Bref, que puis-je faire pour vous, commandant? Il y a quelque chose que je devrais savoir? Vous avez des messages non lus sur votre terminal privé. Autre chose, commandant? Vous avez une minute à m'accorder? Pour vous, toujours, commandant. Non, elle a rien à me dire. Je ferais mieux d'y aller. Très bien, on se parlera peut-être plus tard. Donc j'ai des messages non lus. J'ai appris que vous avez réveillé le Krogan. Si ce Grunt venait à se montrer peu fiable et qu'il devait être abattu. Ouais, on va te faire foutre, l'homme trouble. Odina m'a indiqué comment vous joindre. Je tenais simplement à ce que vous sachiez que je n'ai pas oublié ce que vous avez fait pour moi ce fameux jour où les biotiques m'ont pris en otage. Ouais. Alors que je. Mes messages archivés, il y en a un là-dedans qui est. Voilà, ça doit être lui, je crois. Vous m'avez envoyé un vaisseau me chercher. Ah! C'était lui. Les soldats de l'Alliance postés ici m'ont donné vos coordonnées. Ouais, ok. Oh, le courtier de l'ombre. Il faudra que j'aille voir Tali. pas Tali. Liara. Alors, Ilium. J'ai renseignement. Recruter Tali. On va recruter Tali tout de suite. Non, parce que juste comme ça, hein, Tali, c'est la meilleure. Alors, attends, est-ce que je peux me recharger en son d'ici? Il n'y a pas de zone de recharge là-dedans. Putain. Allez. On va s'occuper de Tali. Alors, Miranda et Garrus. Ah, j'ai 4 points commando. Donc la projection peut monter à 4. On y va. Contre les murs alentours avec une force inouïe dans un mouvement continu. Impressionnant de rapidité. Ouais, ouais bah c'est bon, moi j'ai ce qu'il me faut. Miranda, t'as 0 points. Garrus. Il a rien, il faudrait qu'il pourra débloquer ça. Il faudrait qu'il soit loyal, d'accord. Non. Un miasme sauvage apparaît, attrapez-le en tapant. Faut que catch, les gagnants seront révélés dans 90 secondes.
Ah oui, c'est cette planète, oh putain. Hein. Nos données indiquent que Tali se trouve quelque part dans ces ruines. Je détecte d'importants signes d'activité Get, ainsi qu'un risque environnemental. Les émissions solaires ont pénétré la magnétosphère d'Aestrom. L'exposition à la lumière du soleil endommagera vos boucliers. Mais venez vous foutre à long tous les deux, putain. Mes boucliers sont complètement déréglés. On doit se mettre à l'abri du soleil. Ça, j'avais compris, figurez-vous. Là c'est l'arrêt. Allez, on va retrouver Tali. Transporteur en approche. Myrmias me s'est échappé. Personne ne l'a attrapé. Non, j'ai pas de sniper avec moi. Et où il est? En gros, il me faut comprendre qu'il y en a un par là, mais où ça? Ouais, je le vois là-bas. Je crois que je vais tenter de traverser par là. Allez. Ça me fait toujours autant chier ces histoires de munitions dans Mass Effect 2, je vous jure.
J'ai oublié cette arme-là. Mais d'où il est sorti, Garrus? Non, ça c'est pas un sniper. Hop, c'est bon. Yep, mais laissez-moi passer. Il faut des munitions. S'il vous plaît, des munitions. Et recharge mon bouclier, voilà. Qu'il soit mort. Hop. Mitraillette tempête, ok. Ici le commandant Shepard du Normandie, avez-vous besoin d'aide? Basculer sur la fréquence 617 Theta. On était en opération furtive, on a trouvé ce qu'on était venu chercher, mais les guettes nous sont tombés dessus. Rapport de situation, combien d'hommes il vous reste? On était qu'un petit commando, une douzaine de marines plus l'équipe scientifique. J'ai perdu la moitié de mes gars, mais ces crevures de synthétiques ont payé cher. Qu'est-ce qui vous amène aussi loin dans l'espace guette? C'est pas à moi qu'il faut demander, Shepard. Moi je me barre, c'est tout. Un truc avec le soleil, il décline plus vite qu'il devrait. Un problème énergétique. Vous savez d'où les guettes sont venues? Un de leurs patrouilleurs nous a repérés. Les guettes ont appliqué sur notre position avant qu'on ait pu évacuer la planète. Ce système est sous contrôle guette. On savait qu'il balayait régulièrement la planète. On espérait qu'on passerait au travers. On doit s'attendre à ce que les guettes envoient du renfort. Ça m'étonnerait. Leur patrouilleur n'a pas encore redécollé. Les radiations brouillent les transmissions extraplanétaires. Vous savez d'où les guettes sont venues? Un de leurs patrouilleurs nous a repérés. Les guettes ont appliqué sur notre position avant qu'on ait pu évacuer la planète. Ce système est sous contrôle guette. On savait qu'il balayait régulièrement la planète. On espérait qu'on passerait au travers. Tenez le coup, on sera là dans quelques minutes. Avancez sans forcer. La lumière du soleil vous cramera les boucliers en moins de deux. On s'est retranché au camp de base, à l'autre bout de la vallée. Je laissais Talizora à l'abri avant de rappliquer là où ça chauffait. Exfiltrer Talizora est notre priorité absolue. Si vous l'évacuez, on couvrira vos arrières. Vous avez la confirmation que les guettes n'ont pas encore atteint Tali? Affirmatif, mes meilleurs hommes sont avec elle là-bas, vous pourrez lui parler par communique. Tous les marines sur ce tas de cailloux ont juré de protéger Talizora. Tant qu'on n'y est pas tous passés, elle n'aura rien à craindre. Tenez la position, on les prend à revers. Attendez, faites gaffe, transporteur en approche. Ça va défourailler. Explosive, on est par le commandant Galien. Affichez le rapport à l'arme. C'est fait.
Non mais les gars, il était juste à côté de vous, je me fais engueuler parce que je lui tire dessus à elle, mais... S'il te plaît, il était à côté de vous. Lui là, il y en a un là qui va m'embêter. Fini. J'espère que je vais récupérer un peu de soins parce que j'en ai plus. La charge explosive, ouais. Ah. Medikit. Il y a un truc là où on va prendre les machins. On va prendre ça. Medikit, voilà. D'abord le journal. Il nous faudrait un échantillon pour mesurer la progression du taux de radiation. Mais l'équipement n'arrête pas de nous lâcher. Sur Terrum, Shepard avait utilisé un laser de minage pour déblayer des gravats. Peut-être que je pourrais en faire autant avec des charges de démolition. Une charge sur deux. La deuxième. C'est bon. Ah, là-bas, il y en a, ça veut dire que la deuxième charge, elle est là-bas. Il a valsé comme ça et il est pas mort. Voilà, là t'es mort. Voilà. On va aller là-bas, je prends la deuxième charge. D'abord on recharge en munitions. Un Bajgaïd sauvage apparaît, attrapez-le en tapant Poke Catch. Les gagnants seront révélés dans 90 secondes. Alors, je vais regarder. Là, voilà. Hop.
Si je passe là, il y a quoi? Ok, c'est un chemin pour repartir, je pense. De l'iridium. J'aurais peut-être pu prendre ça là-bas. Hop. Hop. Large. On a les munitions. Attention, quand on va sortir, ça va défourailler. Musique. Vous pouvez vous en occuper, les gars, là, non? Non, parce qu'il y a un mec qui est là-haut qui m'emmerde depuis tout à l'heure et... Recharge ton bouclier. C'est bon. Un peu de munitions qui traînent, non? Ouais, il y a eu un peu de munitions, c'est bon. On va prendre le chemin qui est là. Ça me donne des trucs en plus. Ah oui, pas mal, pas mal. J'aurais pu passer par ici. Je crois que mon bouclier, il a eu chaud. Donc là, il y a de l'iridium. On récupère l'iridium. On place les charges. On dégage. Hop, et on y va. Sont cariens. Cette colonie date d'avant le soulèvement des guettes. Qu'est-ce que les cariens sont venus chercher ici? J'espère que ça en vaut la peine. Tac, 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 tac. On va parler avec toi après, Tali. Là, je vais regarder un truc vite fait. Choisir mitraillette tempête. On va laisser ça. Par contre, là, j'ai quoi? Un lance-grenade, le firestorm, le projecteur arc. On va garder ça. Pardon. Et là, je garde ce que j'ai. Je vais venir te parler, Tali, t'inquiète.
Je suis là, Tali. Allô ? Il y a quelqu'un ? Tali, ici Shepard. Je suis désolé. Tout le monde est mort ici. Les survivants ont dû se replier. Nous savions que cette mission était risquée, bon sang. Qu'est-ce que vous fichez ici, Shepard ? On est en plein territoire Geth. Je passais dans le coin, j'ai pensé que vous auriez besoin d'un coup de main. Merci d'être venu, Shepard. C'est un soulagement d'entendre votre voix. Kalrigar et ce qui restait de ses Marines m'ont bouclé dans l'observatoire. De là où vous êtes, c'est après la porte, à l'autre bout du champ. J'ai les données que je cherchais. Et pour l'instant, tout va bien. Mais les guettes sont déployées en masse à l'extérieur. Et ces données que vous êtes venu chercher ? Elles concernent le soleil de ce monde. Il vieillit plus vite que la normale. Je vous en dirai plus quand les guettes auront fini de nous tirer dessus. Et si je faisais intervenir le Normandie, ça servirait ? Je ne crois pas. Ces bâtiments sont vieux de plusieurs siècles. Et si vous pilonnez le secteur, tout s'écroulera sur nous. Vous êtes seul ici ? Rigard m'a fait escorter par ses Marines quand je me suis réfugié dans l'observatoire. Au moins quelques-uns ont survécu. Je les entends se battre là-dehors. Quelqu'un a dû sceller la porte de l'extérieur et la console est endommagée. Vous pouvez l'ouvrir de votre côté ? Ça doit pouvoir se faire. Voilà, ça devrait être ouvert maintenant. Faites attention, Shepard. Et je vous en prie, faites votre possible. Allez. On s'est fait repérer. Système de camouflage optique. Un moins. Parfait. Mais en plein soleil, l'autre. Bon, il n'y en a plus des sales petites bestioles là. Bon, on va passer là-bas. J'arrive. Je t'ai vu. Ah.
Allez, reviens, reviens. Mais il va pas à son encontre, putain. C'est bon. Oh, bah y a rien. Hop. Un coffre fort. On va pirater le coffre. Tac, 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 tac. Là. Voilà. Je vais te faire rouiller. Oh putain. À couvert. C'est comme au bon vieux temps. À quelle époque le bon vieux temps? Mais c'est bouclier. Non, je crois que le colosse, je peux pas le battre comme ça. Faut que j'ai. Ennemi à droite. Ouais. Medikit en cause. Chef d'escouade Cal Rigard, des marines de la flotte nomade. On s'est parlé par radio avant que ce transporteur n'arrive. Je ne sais toujours pas ce que vous foutez ici. Mais le moment est mal choisi pour chipoter. Tali est à l'intérieur. Les guettes ont flingué le reste de mon escouade et ils cherchent à l'atteindre. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est de détourner leur attention. Vous êtes sûr qu'elle est toujours en vie? L'observatoire est une vraie forteresse. Même les guettes auront du mal à forcer l'entrée. Sans compter que je les pilonne non-stop. Les guettes ont déployé tout un bataillon. Mais c'est le colosse qui pose problème. Il intègre un protocole d'auto-maintenance. Impossible de m'ouvrir une ligne de tir quand il est ramassé comme ça. J'ai essayé de m'approcher, mais un de leurs snipers m'a aligné. Votre combinaison est endommagée à quel point? J'ai rabattu les clampes de sécurité pour isoler la contamination. Et je me suis goinfré d'antibiotiques. Je refuse de crever d'une infection au beau milieu d'une bataille. Ce serait humiliant. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur le champ de bataille? Il y a une passerelle sur le flanc droit avec un sniper guette embusqué. De là, vous pourriez faire du dégât, mais aucun de mes hommes n'a réussi à passer. Par le centre, vous serez à couvert. Mais cette saloperie de colosse vous aura tout le temps visuel. Et les guettes se rabattront sur vous des deux côtés. Sur le flanc gauche, vous serez à couvert du colosse. Et vous serez exposé aux tirs de sniper. C'est comme ça qu'ils m'ont eu. Comment on s'y prend pour abattre un colosse? Le protocole standard avec les unités de type armature consiste à saper leur bouclier avant de relier le blindage. Le tuer à petit feu, quoi. Mais ce protocole de maintenance fout tout en l'air. Dès qu'on l'esquinte un peu, il se replie sur lui et s'auto-répare. En gros, quoi qu'on fasse... Un cranido sauvage apparaît, attrapez-le en tapant, poke catch, les gagnants seront révélés dans 90 secondes. Rejoigne Tali. Des idées? Juste une. C'est à peine si je peux bouger, mais je peux encore manier une arme. Et j'ai un lance-roquette que le soleil n'a pas encore bousillé. Vous vous rapprochez pendant que je pilonne ces boucliers. Avec de la chance, vous pourrez l'achever. Bonne chance, Rigard. Allons massacrer du guette. Qui l'a, c'est là. Saluez Tali pour moi. Regardez. C'est pas ennemi abattu.
Tyrannidus s'est échappé. Personne ne l'a attrapé. C'est plié. C'est le moment, on y va. Ah ouais, c'est tout de suite sur moi qu'il est, hein. Ok, bon. Eh ben, je suis mouru. On va reprendre. Approchez pendant que je pilonne ces boucliers. Avec de la chance, vous pourrez l'achever. On va lui dire ça. Vous en avez assez fait, Rigard. Inutile de sacrifier votre vie. Pas besoin de votre permission. Je dois protéger Tali, c'est ma mission. C'est notre meilleure chance. On est pas assez prêts pour risquer de gaspiller nos forces. Restez ici. Je ne vais pas rester là pendant que vous allez au charbon, c'est pour massacrer toute mon escouade. Si vous tenez à faire honneur à votre escouade, couvrez-moi. J'ai besoin de vous au cas où ils rameutent des renforts. Ah, vous avez gagné, Shepard. Faites ça à votre manière. Qui lance l'œil? Attention. Putain, j'ai trop loin. Wouhou! Bon, on va traverser le soleil et... lui! Voilà. Y'en a un là-bas qu'il faut se débarrasser, les gars. Voilà. Alors...
On a fait péter le colosse. Il y en a d'autres. Oh ouais. Je les entends encore. Il y en a d'autres. On va choper de l'iridium. Hop. Hop, on récupère tout ce que je peux récupérer. Et on va aller chercher Tali. Combien de cariens sont morts ici? Ça en valait la peine? Je ne sais pas, Shepard. Cette mission n'était pas de mon fait. La commission de l'amirauté estimait que ces données valaient le sacrifice de toute une escouade. Qui suis-je pour contester leur décision? C'est votre avis qui m'intéresse, pas celui d'un amiral quelconque. Beaucoup de gens sont morts ici. Certains étaient mes amis. Et tous excellaient dans leur domaine. Ces données ont intérêt à valoir le coup. Elles nous ont coûté trop cher. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur vos recherches? Le soleil d'Aestrom est instable. À l'époque de la colonisation carienne, l'étoile n'avait rien d'anormal. Ça n'aurait pas dû changer aussi vite. Vous savez ce qui provoque cette instabilité? Si je devais conjecturer, je dirais que l'intérieur de l'étoile a été altéré par de l'énergie noire. L'effet est comparable à la dilatation d'une étoile qui entre en phase de géante rouge. Mais le soleil d'Aestrom est trop jeune pour qu'il s'agisse d'un phénomène naturel. Ravi d'avoir pu servir à quelque chose. Dès que vous aurez livré ces données, j'aurai besoin de vous sur le Normandie. J'avais promis de mener cette opération à bien et je m'y suis tenu. Je vous suis. Il suffira que j'expédie les données à la flotte. Et si les amiraux y trouvent à redire, qu'ils aillent au diable. J'ai vu toute mon escouade y passer. Peut-être pas tout le reste de votre équipe, dame. Regarde, vous vous en êtes tiré? Votre ancien capitaine est aussi capable que vous le disiez. Ce colosse n'était pas de taille. Le Normandie peut vous exfiltrer si nécessaire, Rigard. Les guettes n'ont pas endommagé notre vaisseau. Tant qu'on réussit à évacuer avant l'arrivée de leur renfort, on devrait s'en sortir. Je ne viens pas avec vous. J'accompagne le commandant Shepard. Je transmettrai les données à la commission de l'amirauté et leur ferai savoir ce qui s'est passé. Je vous la confie, Shepard. Veillez sur elle. Oui, ça, je vais veiller sur elle, hein. La carrière. Cerberus vous observe depuis un moment, Talizora. Vos nombreuses compétences technologiques seront un atout de taille pour notre équipe. La flatterie ne prendra pas avec moi. Cerberus a déjà menacé la sécurité de la flotte nomade. Je ne vous fais pas confiance. Et coucou Arakai, on dirait que toi aussi t'as envie de me voir faire un live horreur. Ta soirée se passe bien? C'est pour ça que j'ai besoin de vous, Tali. Je sais que je peux compter sur vous en cas de coup dur. Je n'ai pas participé à l'opération sur la flotte nomade, mais je comprends votre méfiance. J'espère que nous pourrons mettre nos différends de côté le temps de cette mission. Je pensais que vous étiez en mission secrète, Shepard, pour détruire Cerberus de l'intérieur. Si c'est le cas, je serai la première à vous aider, sinon... Eh bien, c'est pour vous que j'accepte cette mission, pas pour eux.
Ah, elle était bien installée au lit, tranquille, peinard. Vas-y. Vous devriez faire le tour du Normandie. On a rajouté quelques petites nouveautés qui devraient vous plaire. Je vais m'assurer que Talizora dispose de tous les codes d'accès au système. Oui, ce serait une bonne chose. Je ne peux pas faire partie de l'équipe si j'ignore comment fonctionne le vaisseau. N'oubliez pas, Shepard. Cerberus n'a pas hésité à sacrifier des innocents pour tenter de contrôler le Taurien et les Rachni. Si vous avez besoin de moi, je serai dans la salle des machines. N'oubliez pas de vous identifier auprès d'IDEA, l'intelligence artificielle du Normandie. Non, je suis toujours sur le 2. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Qu'est-ce qu'ils me disent ? Message non lu. Morlan. Ouais. Il présente que vous êtes toujours en vie. Ouais, bon. Demande de transfert acceptée. Ok, bon, ça c'est fait. On va tout de suite aller parler à Tali. Tac 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 tac. Shepard, que puis-je faire pour vous ? Vous avez un peu de temps ? On n'a pas vraiment eu l'occasion de se parler sur Aestrom, n'est-ce pas ? Ça a été un tel carnage. Merigar s'en est tiré et c'est à vous que je le dois. Merci. Tout ça pour quelques données. J'espère que la commission pourra en tirer quelque chose. Vous avez des nouvelles de Cal Rigar ? Il a survécu à ses blessures ? Il m'a envoyé un message. Il a l'air de s'être complètement remis. Quand une combinaison est perforée, on n'a plus qu'à se remettre à la chance. Rigar s'en est tiré avec une infection bénigne. Parlez-moi de la commission de l'amirauté. C'est l'un des deux principaux organes politiques de la flotte. Les amiraux interviennent dans toutes les décisions stratégiques et dans les cas d'urgence. Ils tiennent aussi lieu de haute cour de justice, notamment dans le cas de trahison. Un ouvrier sauvage apparaît, attrapez-le en tapant « Poker Catch », les gagnants seront révélés dans 90 secondes. Des nouvelles, des données que vous avez transmises ? Ça m'étonnerait que j'en entende parler avant quelque temps, et encore. Vous retrouvez vos marques sur le Normandie ? J'aime le calme, mais... Presley, le chef Adams et tous les autres... Leur visage me manque. Ça me révolte que Cerberus soit en charge de ce vaisseau. Vous êtes sûr que collaborer avec eux soit la meilleure chose à faire ? Ils finiront par nous trahir, c'est forcé. Mais nous serons prêts. Ravi de l'entendre, Shepard. Faites-moi signe si je peux vous être utile. Je dois reprendre le travail. Merci d'être passé. T'as d'autres choses à me dire, Tali, je suis sûr. Je veux parler avec toi, Tali. Les motifs de dingue sur les canons principaux, ça a quasiment doublé leur consommation. Ça a l'air de méchamment dépoter. C'est vrai, t'inquiète pas. Deux, trois ajustements des condensateurs avant et hop, tout revient à la normale. Sacré Garus. Shepard, que puis-je faire pour vous ? Vous avez un peu de temps ? Je dois vraiment décrasser ce moteur, peut-être plus tard. Ce Normandie nouveau cru vous donne du fil à retordre. Un peu de sérieux, Shepard. Ouvrifier s'est échappé. Je suis Carienne. Personne ne l'a attrapé. Donnez-moi un bout de métal, une poignée de circuit et une dose d'élément zéro. Et j'en ferai un vaisseau de guerre. J'appréhendais de travailler avec les ingénieurs de Cerberus. Mais ils connaissent leur métier et, question politesse, je n'ai rien à redire. Comment se porte le Normandie ? On peut dire ce qu'on veut de Cerberus, mais l'assemblage de vaisseaux, ça les connaît. Le Normandie tourne mieux que jamais. Je ne sais pas s'il aura de quoi résister à une attaque des récolteurs, par contre. Mais j'ai quelques pistes pour y remédier.
Vous pourriez donner aux Normandies l'ascendant sur un vaisseau récolteur? Sans aucun doute. Avec les bonnes ressources, je peux renforcer nos boucliers. La dernière fois, les boucliers du Normandie ont cédé dès le premier impact. Mes améliorations devraient changer la donne. Ah, on a des meilleurs boucliers. Voilà, on a mis des boucliers, on a amélioré les boucliers de vaisseau. Alors, j'avais dit que j'irais à la citadelle pour acheter des poissons et le nourrisseur automatique. Bah, c'est ce qu'on va faire, parce que moi je... Ah bah j'irai vous parler après. Je veux aller acheter des poissons. Je veux des poissons. Alors, la citadelle, elle est où? Citadelle. Ah, tu as le dépôt de carburant. Il y a un dépôt de carburant ici. Lui me blinder. Entrer dans l'orbite de la citadelle. On se met à cassiner. Alors, si Star Trek, j'ai commencé Star Trek Fleet Command, c'est ma sponsor qui va jusque mercredi après-midi, de ce que j'ai vu tout à l'heure. Hop, Garus. J'ai 2 points. Elle a 2 points. Il a 4 points. Bah, je vais passer y faire un tour en fin de live. Comme je fais d'habitude quand je fais une sponsor, en général, en fin de live, je termine sur le jeu de la sponsor. C'est du jeu mobile de base, donc t'es pas sur un truc poussé en termes de gameplay, mais ça va. Honnêtement, ça va. Moi, je veux acheter des poissons. Les petits poissons. Même Blurry dit le hamster, mais je crois que le hamster, on le découvre dans le vaisseau. Il traîne, il se balade. Pas de soucis, Rakaï. Allez, soyez sympa, quoi. J'ai besoin d'aide. C'est pour un dîner en amoureux. C'est vrai qu'ils vendaient dans le jeu, ils vendaient les romans tirés des jeux. Les vrais romans. Ascension, Révélation, c'est des vrais romans qui sont sortis. J'avais oublié ce détail. C'est vrai que j'étais déjà passé pour faire comme ça. Alors, je veux avant acheter le nourrisseur automatique avant d'acheter les poissons. S'il vous plaît. La boutique qui vend le nourrisseur automatique. Je suis le commandant Shepard et cette boutique est ma préférée de la citadelle.
Bah, ça, c'est toutes des améliorations. Je viendrai les prendre aussi, mais je veux d'abord le poisson. Ouais, lui, c'est des jeux. Fait penser à saleté, voilà. Je crois que je lui ai mis une droite, mais je sais plus. Ah, mes poissons, je veux le nourrisseur automatique de poissons. La citadelle, c'est toujours un bordel pour se repérer là-dedans. Des vaisseaux d'occasion. Non, c'est bon. Être humain. Vous trouverez de nombreux vaisseaux. Et la chaimasse ! Et la chaimasse ! Vous avez déjà mangé des lamen ? C'est un plat typique de la Terre. Je suis le commandant Shepard, et cette boutique est ma préférée de la citadelle. Non... C'est qui vend le nourrisseur automatique, alors? Je suis le commandant Shepard, et cette boutique est ma préférée de la citadelle. Ouais, bon, on va acheter ça... Mais... Il y avait bien un mec qui vendait le nourrisseur automatique. C'est où? J'ai de nouveau essayé Coupari, acide dextroaminé. C'est pas là, c'est sûr. Toi non, vu que tu veux pas me parler. Non mais. Un bon Coupari vivifiant, c'est toujours un plaisir. Coupari, avec maintenant 10% de vrais bains coupables. 10% de vrai Bekoupa. Je crois qu'elle elle avait rien, ou alors j'avais tout. Ouais, non, c'est bon, j'avais tout acheté là. Oui, c'est juste que c'est mon bébé. C'est tout ce qui me reste de Jacob. Je sais. Je veux simplement. Je ne veux pas devenir l'une de ces mères. Mais. On veut pas me laisser acheter le nourrisseur automatique à poisson. C'est pas juste. Il paraît que vous êtes la meilleure épicerie fine du secteur Zakera. C'est faux, nous sommes la meilleure épicerie fine de... Regardez sur internet pour trouver le nourrisseur automatique de poisson quand même. Cette boutique est ma préférée de la citadelle. Mais je vais devoir le faire parce que je trouve pas la boutique. Alors, Mass Effect 2. Nourrisseur poisson, je sais plus comment il s'appelle. Allez chercher sur internet pour cette info. Je vous jure. Alors... Attends, c'est même pas ça en fait, c'est... Attends, hop, vérifier un truc.
Ouais. Alors. Ah non, en fait, oui, c'est d'accord. Ah ouais, ok, je vois, je vais. Je pense alors du coup que c'est dans le 3 qu'il y a le nourrisseur automatique. Là, c'est, il faut être gentil avec Kelly, celle qui me dit qu'il veut me parler et tout ça. Et à un moment, on l'invite à dîner et elle propose de nourrir les poissons. Par contre, j'ai vu le gars là-haut qui vendait plein d'améliorations. On va aller les chercher. Je suis le commandant Shepard et cette boutique est ma préférée de la citadelle. Tac, on achète tout ce qu'on peut acheter. Ça ruine vite, hein. Ah, augmenter la réserve de munitions, ça par contre, ça m'intéresse. Augmenter la santé. Augmente la puissance des boucliers, augmente les dégâts de pouvoir, ça aussi ça m'intéresse. La santé. Les boucliers. On prend ça. Et ben j'ai pu tout acheter. Et on va faire la mission de Kasumi, tiens. Normandie. À l'arbadar sauvage apparaît, attrapez-le en tapant Pouf Catch. Les gagnants seront révélés dans 90 secondes. Y'en a que je te parle. J'ai eu une discussion très plaisante avec votre amie Tali. Elle n'a rien à voir avec l'idée que je m'en faisais d'après son profil psy. Je l'aime beaucoup. Tali est une bonne amie. On a vécu pas mal de choses ensemble. Mon intuition féminine me dit qu'elle veut que vous soyez plus que bons amis. J'ai toujours trouvé qu'on avait pas mal d'atomes crochus. En effet, ça se voit dans ses gestes. La façon dont elle se tourne quand vous entrez, dont elle épie le moindre de vos mouvements. Je trouve les cariens fascinants, mais en même temps... J'ai de la peine pour eux. De la peine? Pourquoi ça? Ils ont des combinaisons magnifiques, mais à cause de leur système immunitaire, ils en sont prisonniers. Je me demande à quoi ils ressemblent sous leur casque, quelle est la consistance de leur peau. Les autres espèces vous attirent? Eh bien, une partie de mon travail consiste à prévoir la logique et les sentiments des humains et des... L'Arvadar s'est échappé. Or, pour comprendre, il faut être personne proche, ne l'a attrapé. Et on prend les idylles là où on les trouve. C'est la personnalité qui compte, pas la race ou le sexe. Autre chose, commandant? Je suis d'accord avec elle que c'est pas la race ou... Enfin... Après, dans certains cas, le sexe a une importance dans une relation. Ah, homme-femme, hein. On s'entend bien. Hein. Mais ça s'arrête là, quoi. Alors, discutons un vous peu. Pour vous toujours, commandant.
Non, ça va. Hein. Mais je suis content de te revoir, hein, Soleil. Hein. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été affecté sur le Normandie? J'ai été choisi directement par l'homme trouble pour combattre le pire ennemi de l'humanité. Qu'est-ce que ça me fait? Je suis honoré, exalté, terrifié. Mais surtout, j'ai le moral au beau fixe. Sous votre commandement, nous sommes sûrs de gagner. Ne vous inquiétez pas. Les récolteurs, on en fait notre affaire. Dès l'instant où je vous ai rencontré, j'ai su que vous étiez du genre à me rattraper si je tombais à la renverse. Je pourrais faire plus que vous rattraper. J'aimerais bien voir ça. Vous voulez parler d'autre chose ? Je ferais mieux d'y aller. Très bien, on se parlera peut-être plus tard. Le gars, il veut se taper Tali, mais il drague quand même... Il drague quand même une dame, là. Donc Jack veut me parler. Ça va être pour sa mission de loyauté. Mes pensées, c'est comme des petits insectes qui me parcourent le crâne. J'arrive pas à les en empêcher. J'ai pas franchement Cerberus à la bonne, ça vous le savez. Mais vous voulez que je vous dise pourquoi ? Tout ce que vous avez à dire, je suis curieux de l'entendre, Jack. Votre pote, là, l'homme trouble, je l'avais jamais vu avant. Mais c'est Cerberus qui m'a élevé. La première chose dont je me souviens, c'est la porte de ma cellule dans une base de Cerberus. Le peu de chance que j'avais d'être normal, ils me l'ont enlevé à coups d'expérience, de drogue, de torture. Soi-disant pour me transformer en une sorte de superbiotique. Les docteurs, les autres gamins, tout le monde me détestait. Ils me laissaient souffrir. Qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire en torturant une gamine ? À se servir de la douleur pour abaisser les barrières mentales, comme quoi ça permettrait de décupler les capacités biotiques. Je suis sûre qu'à un moment ou à un autre, ça aurait débouché sur quelque chose, mais je m'en foutais. J'étais bourrée d'électrodes dans ma cellule. Ils vous ont torturé pour voir si ça vous rendait plus puissante, c'est tout. J'aurais eu du mal à poser la question, Shepard. Vous savez, une gamine qui chiale dans sa cellule en espérant que la douleur va s'arrêter... Ce pouvoir qu'ils vous ont donné, vous adorez ça? Ils ne m'ont jamais rien demandé. Comment vous vous en êtes sorti? Il y a eu quelque chose comme une urgence, et je me suis tiré. Les autres gamins sont sortis de leur cellule et m'ont attaqué. Les gardes aussi. J'ai tué tout ce qui me barrait le passage et j'ai filé. Faut croire que mes pouvoirs biotiques s'étaient développés plus vite qu'ils ne le pensaient. J'ai réussi à faire décoller une navette et j'ai dérivé dans l'espace jusqu'à ce qu'un transporteur me récupère. On a abusé de moi. On m'a vendu. Et voilà toute l'histoire de ma glorieuse évasion. Comment vous vous en êtes sorti ? Il y a eu quelques... J'ai réussi à faire décoller une navette et j'ai dérivé dans l'espace jusqu'à ce qu'un... Il y avait d'autres enfants dans la base ? Je ne savais pas grand-chose sur eux. On m'a gardé à l'écart. Ils me détestaient, comme tout le monde là-bas. Quand je me suis échappé, il a fallu que je les affronte tous. Je leur en ai fait voir. Mais j'ai encore une affaire à régler. Vous êtes totalement sûr que Cerberus tirait les ficelles? J'étais gamine, mais pas conne pour autant. J'ai des oreilles. Ouais, c'était bien Cerberus. Directement, indirectement, ça j'en ai rien à foutre. Au final... À trop bidouiller la tête d'une petite fille effrayée, ils en ont fait une garce de la pire espèce. Quelle bande de cons. Je vais parler à l'homme trouble. Il a intérêt à me répondre. Il va tout nier en bloc. C'est pas ça que je cherche, de toute façon. J'ai trouvé les coordonnées dans vos fichiers. Je veux aller au complexe Teltin sur Pratia. C'est là qu'ils m'ont torturé. Le vocabulaire, Madame X. Je veux aller au centre du complexe, ma cellule. Je veux y planter une putain de bombe de je sais pas combien de kilotonnes. Et je veux l'avoir pété depuis l'orbite. Mais qu'est-ce qu'il y a, Soleil ? Jack te choque par son vocabulaire ? Aïe, aïe, aïe. Je
sur Pradja. À charge de revanche. Ouais, on met le cap sur Pradja, ouais, bah ce sera après. On va aller d'abord. C'est bon, elle m'a déjà dit tout ce qu'elle va me dire. On va aller nourrir les poissons avant de faire quoi que ce soit. Les poissons! Les petits poissons! Alors, par contre, les autres poissons, ils montent pas pour manger, tiens. Il y en a qui restent en bas. Mais au moins, ils sont nourris. Je pense que je dois avoir toutes les maquettes, là. Ah non, il m'en manque une, je pense. Je l'ai pas encore, le hamster. Est-ce qu'il y a un truc... Alors, sauver l'humanité tout entière d'une mort certaine. Ok... Survie à la mission suicide, oui, ça, ok. Veuillez à la survie. Obtenez une technologie Get, recruter Archangel, recruter l'assassin. Recruter la biotique, recruter la probatrice, le Krogan, la carienne. La loyauté du Krogan, de l'assassin, du biotique, la probatrice. Le professeur, Cerberus, la carrière. Visiter 100% des planètes d'un secteur inexploré. Ouais, ok, ok. Améliorer un pouvoir. Ah! Malgré tout, il est quand même... Je reconnais ça, c'est une carpe. Il y a des combattants aussi. Terminer Mass Effect. Ah oui, non, mais en démentiel. Vous m'y verrez jamais sur démentiel. ouais, non, mais en démentiel, mais vous êtes tarés. Alors par contre, il y a des trophées qui sont... Ouais, c'est... Tu es sans ennemi avec des attaques au corps à corps, je sais même plus comment on fait ça. Et j'ai entendu un squeak. Ah, il est là, le petit hamster. C'est vrai que je l'ai récupéré. ouais. Et les bleus là, c'est des combattants. Les petits, ils sont chelous. Démentiel, ouais, c'est le plus haut niveau de difficulté du jeu. C'est... On va dire que c'est pour ceux qui aiment roter du sang. C'est pas mon cas. Mercredi, on va dire, on risque de me voir roter du sang, donc ça va suffire. Easy. C'est easy pour certains, pas pour tout le monde. Ouais, ça va. Entre dans le système. Enclencher le scanner. Peu abondant. Quand même essayer de récupérer un peu de ressources. non merci, non merci. Le
Le Souls-like que j'ai prévu pour mercredi me fait de l'œil. Sonde larguée. Donc on verra bien, on verra bien. On verra si j'irai au bout déjà. Et au moins un live dessus. Et on verra si je déciderai de continuer le jeu ou pas. Lancement d'une sonde. Au bout, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Ouais, je sais. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que le jeu, l'histoire soit prenante aussi. Si. Pour espérer me garder, parce que par exemple j'ai fait Wulong, j'ai pas été au bout parce que l'histoire, je commençais à le trouver mais long. Non, je voulais juste rester voilà. Faudrait que je vois le comment le cooldown que j'ai mis à cette récompense de points de chaîne pour mercredi. Je le baisserai peut-être. Bah, il y en a, les histoires sont bien. Mais après, il faut qu'ils apprennent à. Ah, pire, direct. Lancement d'une sonde. À pas faire tirer l'histoire en longueur, parce qu'au départ, l'histoire de. Sonde larguée. Ah, ben oui, ça, il y en aura un. Il sera réinitialisé à zéro et je garderai en mémoire le nombre, puisque. Je m'en sers aussi sur Skull and Bones de mon compteur de mort. Ben oui, il y en aura un, ça c'est clair. Lancement d'une sonde. Un mouton sauvage apparaît, attrapez-le en tapant Poke Catch. Les gagnants seront révélés dans 90 secondes. Puis on verra, je mettrai peut-être en place des prédictions parce que je trouve que vous avez beaucoup de points. Vous avez beaucoup de points à dépenser. Hein. Mais non. Juste pour le jeu. Non, mais je trouve que pour le jeu d'horreur, le fait de le mettre en défi comme ça, j'ai quand même eu une bonne idée parce que si je mets un montant fixe en récompense de points de chaîne, je sais qu'il y en a, ils peuvent en acheter deux à la chaîne. Ils en prennent un et dès que je l'ai fait, allez hop, ils peuvent en reprendre un tout de suite. Là, ça me laisse un peu de répit, tu vois, c'est. Ça me laisse un peu de répit, ça me. Après, c'est pas. Je vais d'abord aller m'occuper de la planète par rapport à Kasumi. Après, c'est pas non plus que je veux. Voilà. On s'est échappé. Personne ne l'a attrapé. Si je l'ai mis en place, c'est qu'il y a des jeux d'horreur qui me font de l'œil et que je sais que je les lancerai jamais de moi-même, ni tout seul. Allez épuiser cette planète. Ok, d'accord. Ça me permet de les faire, de les découvrir, parce que... Ouais, voilà. Là, j'arrive à bien les apprécier, à rester dans l'histoire, malgré que...
qu'il y a du temps entre chaque live. Sonde déployée. Sonde larguée. Faudrait que je trouve les planètes riches en éléments zéro, moi. Sonde déployée. Bah, l'élément zéro, c'est l'élément le plus rare du jeu. Et la première fois que j'y ai joué, j'ai dû aller chercher sur le net la liste des planètes qui en contenaient, qui étaient riches en éléments zéro, parce que bah, t'en as besoin pour certaines améliorations du vaisseau. Sonde larguée. Oui, c'est vrai que tu dois encore le faire. Mais celui-là, je me fais pas d'idée. Tormented Souls, il va te plaire. Sonde déployée. Lancement d'une sonde. Lancement d'une sonde. Mais ouais, là-dessus, Tormented Souls, t'inquiète pas, il va te plaire. 5 euros, ouais, ça va. Sonde déployée. Épuisé, et il me reste une sonde. Est-ce qu'il y a une ressource qui traîne quelque part là? Là, allez, hop. Sonde déployée. Peut-être pas l'histoire, parce que je la connais pas, je l'ai pas totalement suivi, mais le gameplay, je pense que le gameplay va te plaire. Voilà, j'ai fait un 100% là. Allez, on atterrit, on va aider Kasumi dans sa mission. Mais quelle vengeance! Vous vous êtes mis sur votre 31, monsieur Solongen. Redites-moi à quel genre d'homme nous avons affaire. Hawk est un trafiquant d'armes. Il a tué mon partenaire et il a volé sa boîte grise. En dehors de ça, ce n'est pas un homme foncièrement mauvais. Il est riche, charismatique, et prêt à exploser le crâne d'un homme pour lui voler son implant neuronal. J'en déduis que Solomon Gunn sera mon nom de code. Vous êtes à la tête d'un petit groupe efficace de mercenaires opérant dans les systèmes Terminus. C'est précisément ce genre de personne que Hawk respecte. Je me suis permis de vous créer une réputation. Un grand renfort de papiers, témoins et articles dans le journal des vétérans. Évitez juste de parler affaires avec lui, et tout devrait bien se passer. Et si je porte ce déguisement, c'est pour une bonne raison, c'est ça? Disons que vous détonneriez pas mal en armure, dans une soirée mondaine. Vous ne croyez pas? Ça vous va à ravir. Vous devriez vous habiller comme ça plus souvent. Le moment me semble bien choisi pour vous m'expliquer tout en détail. Vous avez fait preuve de patience. Notre cher Hawk organise une soirée avec ses meilleurs amis. Les pires espèces de menteurs, manipulateurs et bourreaux que vous n'auriez jamais voulu rencontrer seront réunis par dizaines, avec chacun un cadeau en l'honneur du sieur. Notre cadeau est une statue de notre vieille amie Saren, ornée de fines décorations et remplie à ras-bord d'armes. Notre armure se trouvera également à l'intérieur. Vous pouvez garder votre flingue. Tant qu'on ne le voit pas, il ne devrait pas nous en vouloir de garder une arme de protection. Une fois à l'intérieur, nous nous approcherons de la chambre forte de Hawk, située quelque part en retrait de la salle de réception. Ensuite, nous trouverons les codes de sécurité les uns après les autres et vous récupérerez toutes les armes et les armures à l'intérieur de la statue, qui devra se trouver là. Enfin, on rentrera dans la chambre forte et on prendra la boîte grise de Keiji. J'aurai au moins la possibilité de lui dire adieu. Vous avez travaillé dur là-dessus. Keiji devait beaucoup compter à vos yeux. C'est si flagrant que ça? La boîte grise de Keiji renferme des souvenirs personnels d'une valeur inestimable. C'est tout ce qu'il reste de lui.
Le secret qu'il a découvert peut avoir des conséquences désastreuses. Je ne vous aurais pas impliqué là-dedans si ce n'était pas important. Bah écoute, bonne nuit à toi, Rakai. Repose-toi bien. Merci d'être passé. Et puis, bah, à demain, parce que si tu fais un live demain après-midi, je passerai quand même faire coucou, ne serait-ce qu'en l'heure, si je suis rentré avant que t'aies fini ton live. Ça doit valoir la peine. Faites-moi confiance. C'est ici que nous nous arrêtons. Après vous, Monsieur Gunn. Un instant, monsieur. Il semblerait qu'il y ait un problème avec la statue. Y a-t-il un problème ? Non, Monsieur Hawk. Nous faisons juste un scan de vérification. Je ne crois pas que nous nous soyons encore présentés. Je m'appelle Donovan Hawk. Solomon Gunn. Enchanté. Monsieur, les scanners ne détectent rien. Je ne pense pas que nos invités aient fait tout ce trajet depuis Ilium pour nous causer des ennuis, n'est-ce pas ? Veuillez entrer, Monsieur Gunn. Avec toutes mes excuses. Par contre, je demanderai à votre ami de rester dehors. J'espère que vous comprendrez. Je peux savoir pourquoi mon ami ne peut pas entrer ? Votre ami ne m'inspire pas confiance. Donc, elle reste dehors, tout simplement. Si ça peut vous rassurer, elle m'attendra à l'extérieur. Je suis content que vous le preniez comme ça. Profitez bien de la soirée. Ça ne se passe pas exactement comme je l'avais imaginé. Oui, je suis d'accord avec toi, Soleil. Il a une sale tête. Vous savez pourquoi il vous a interdit d'entrer ? Pas du tout. Nous ne nous sommes jamais rencontrés et personne ne sait à quoi je ressemble. Il fait gaffe à ses fesses, sans doute. Je ne peux pas lui en vouloir. On fait quoi, maintenant ? On fait comme on a dit. Vous faites la conversation. Je vais me faire discrète, tout en essayant de m'aligner sur vous. Nous resterons en contact radio en cas de problème. On doit trouver la porte et détourner les codes de sécurité. On verra plus tard pour la suite. Allez. Comment avez-vous fait pour maîtriser la situation sur Aleph ? Oh, ça, une petite démonstration de force, un petit coup de passion et hop hop hop, à faire classer. C'est une chance. Je pensais que cette populace allait vous poursuivre encore longtemps. Monsieur Gunn ? Il faut absolument aller voir la chambre forte, Gunn. On verra plus tard pour le petit bavardage avec Hawk. Il y a plein de poissons là aussi. Les quartiers privés ne sont pas accessibles, sauf autorisation. Je suis pressé d'y être, mais il faut d'abord trouver la chambre forte. Non, je crois qu'elle est là, non ? Ça mène à un poste de sécurité. On devra probablement le traverser à un moment ou à un autre. Allons voir la chambre forte. Ensuite, on décidera d'un plan. Vous savez quoi sur ce type, Archangel ? Qu'il est mort. Ou parti ? Ou un truc dans le genre. J'ai envie de dire bon débarras. Il est bien... bien accompagné, lui. Avec deux Asari. Très joli. Ça dépasse de loin tout ce que je pouvais imaginer. Verrouillage protégé par un mot de passe vocal. Barrière cinétique, scanner ADN, on dirait un EX-700. Tout pour rendre une chambre forte impénétrable. Ça pose un problème ? Je vous en prie. Vous vous souvenez de moi ? On va avoir besoin d'un échantillon de savoir pour le verrou. Vous allez devoir tenir la jambe de Hawk pour ça. Et on devra aussi trouver le mot de passe. De l'ADN ? Un jeu d'enfant. On devrait en ramasser à l'appel dans les appartements de Hawk. Et la barrière ? On coupe l'alimentation. Ça marche à chaque fois. Si on la trouve, bien sûr. Keiji pouvait franchir un système de ce genre les yeux fermés. Et je suis plus forte que lui.
On y va. On va chercher tout ça. On dirait que le câble d'alimentation de la barrière passe ici, sous le sol. Je paramètre votre Omnitech pour qu'il scanne les champs électromagnétiques. T'as pas l'air fin, enfin t'as l'air, franchement, t'as pas l'air net à te balader comme ça en regardant le sol. Minute. Ça devrait régler le problème de la barrière. Le voilà. Tout ce que vous avez à faire, c'est le faire parler suffisamment longtemps pour obtenir son empreinte vocale. Va falloir faire vos yeux de biche, Shep. C'est quand vous voulez. Allez, on y va. Après vous? J'espère que vous passez un bon moment, Monsieur Gunn. J'espère que la scène à l'entrée ne vous a pas gâché la soirée. Je comprends toutes ces mesures de sécurité, mais qui pourrait bien oser s'introduire chez Donovan Hawk par effraction? Gunn, en travaillant dans le domaine qui est le nôtre, on attire certains éléments. Peu de gens comprennent le mal que l'on doit se donner pour tenir les intrus à distance. De nos jours, les gens veulent du confort, des loisirs, de l'amour. La galaxie est fragile, mais ça, ils ne s'en rendent pas compte. Ils n'ont à se préoccuper que des simples détails. Du luxe. Pourquoi? Parce que les gens comme vous et moi mènent à bien ces horribles choses qui permettent à la galaxie de continuer à tourner rond. Cette fête nous est dédiée, à nous les nettoyeurs, le support structurel d'une galaxie rayonnante d'illusions de paix, en espérant qu'il y ait toujours un marché pour nos affaires. Pour le faire parler, vous l'avez fait parler. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour faire un échantillon de voix. Vous pouvez le laisser partir. Je vous souhaite une agréable soirée, Monsieur Gunn. Dès qu'on aura le mot de passe, on pourra franchir le scanner vocal. Dès qu'il aime s'entendre parler, le monsieur. La manternelle sauvage apparaît, attrapez-le en tapant « Poke Catch ». Les gagnants seront révélés dans 90 secondes. C'est quand vous voulez. Vous n'avez pas le droit d'être ici. J'ai une idée. Essayez de voir ce que vous trouvez. Alors déjà, on va récupérer des trucs. Voilà, il est trop riche. Il a trop de thunes, voilà. Et alors, annonce. J'ai le même problème que toi, il y a trop de mots de passe ici, on ne s'en sort plus. Pour ce soir, c'est Perugia. Encore un truc super facile à retenir. Et puis, pour ce que ça sert, avec le scanner vocal, le mot de passe est seulement utile à Hawk. Ça te dirait de descendre quelques bières après la réception? Dis-moi ce que t'en penses. Samuel. Du nouveau? Le mot de passe est Perugia. Manternelle s'est échappé. Le nom du mec qui a volé. Personne la ne l'a attrapé. C'est du propre. J'ai saisi leur communication. Ça pourra toujours servir. Bon. Je vais juste prendre les échantillons de voix de Hawk. Et voilà, on peut pirater ce scanner vocal. Bon, maintenant, il s'agit de trouver son ADN. Ce qui est marrant, c'est que ça a tiré, mais il n'y a personne qui a réagi. Les quartiers privés de Monsieur Hawk sont interdits aux invités sans autorisation préalable. J'ai une autorisation.
Sous quelle autorité? Monsieur Hawk m'a autorisé à entrer. Hawk connaît la procédure. Vous n'irez nulle part tant que je n'aurai pas la confirmation du commandant. Profitez bien de la soirée. Les quartiers privés. On doit entrer là. C'est la meilleure façon d'obtenir l'ADN de Hawk. Je crois qu'il y a des... J'ai entendu dire que la chambre forte de Monsieur Hawk est d'un goût exquis. Ouais, elle peut être d'un goût exquis. Personne s'en approchait. Impossible de couper à cette réception, tout est verrouillé à double tour et Madame Moreau a pris les choses en main. Elle ne permettra jamais une chose pareille. Désolé, mais je préfère encore mourir d'ennui à mon poste que me la mettre à dos. Madame ouais. Moreau, ça a l'air d'être une dure à cuire. J'ai une idée pour franchir le poste de sécurité de cette salle privée. Dites aux gardes que c'est Madame Moreau qui vous envoie. Ouais, on peut tenter, on peut tenter. Les quartiers privés de Monsieur Hawk sont interdits aux invités sans autorisation préalable. J'ai une autorisation. Sous quelle autorité? J'ai l'autorisation de Madame Rowe. Ok, une minute. Madame Rowe, ici Samuels. Avez-vous autorisé l'accès aux quartiers privés de Monsieur Hawk? Ils ont l'autorisation, Samuels. Alors laisse-les passer et arrête de me déranger. Compris, désolé, madame. Vous pouvez entrer. Profitez bien de la soirée. La première fois que j'y joue, j'étais rentré par effraction. Là, je rentre normal. On va bien voir si ça fait une différence. Ouais. Les gardes qui sont là, ouais, ça a l'air d'être bien plus discret. Ce dont on pourrait extraire de l'ADN exploitable. Faites ça vite et bien. Rien à signaler. Évidemment, c'est une plante. Vous avez un échantillon? Non. Juste une note de crédit. Pas de cheveux, pas de squam. La gouvernante est très minutieuse. Bonjour. Debout. C'est l'heure. Désolé. C'est vide. Dommage. Un mégot de cigarette aurait été une bonne source. Ce n'est pas un très bon échantillon de salive, mais c'est toujours ça. Ça ne suffira pas pour le scanner. Il en faut plus. Aucune trace d'ADN, mais... On dirait bien que Hawk a essayé de forcer la boîte grise de KG. Il semblerait qu'il lui manque quelque chose. Il n'a pas encore déchiffré le code. Les préposés au ménage n'osent pas toucher à de tels trésors. Nous pourrons peut-être trouver des descamations dans la poussière. D'un autre côté, l'échantillon serait probablement contaminé. Cherchons plutôt ailleurs. Le datapad pourrait sûrement nous apporter de l'ADN de Hawk. Il semble avoir été obnubilé par ça. Ça devrait faire l'affaire. Sortons d'ici. Tout dans la discrétion. À part l'entrée dans la... Ouais, à part l'entrée dans la salle de sécu, tout a été fait discretos. A marché. La barrière est désactivée. Identification ADN validée. Bienvenue, Monsieur Hawk. Mot de passe demandé. Perugia. Identité de la voix acceptée. Bienvenue, Monsieur Hawk. Je vais m'occuper des caméras de sécurité. Partez devant et habillez-vous. Ça va défourailler. Thank
Oui, c'est bon, c'est bon. Ah, si, si, elle t'inquiète. Il n'y a pas de problème avec elle. Kasumi Goto, il n'y a pas de problème. Voici donc la chambre forte de Hawk. Pas mal. Ce scanner indiquera la boîte grise. Ce n'est pas très loin. Oh, une reine arachnée. J'imagine qu'il doit bien y avoir des yeux pour lesquels ce truc a de la valeur. Hawk a de bon goût. Je dois bien lui accorder ça. Ça ne paye pas de mine comme ça. Mais c'est certainement l'une des pièces les plus précieuses de la collection. C'est rare de trouver de l'art turien en dehors de Palaven. Ça se comprend, remarque. M'en éloigne, j'explore. Oh, vache. Imaginez un peu ce truc s'approcher de vous dans une impasse un peu sombre. Ouais, non, j'ai pas spécialement envie d'imaginer, tu vois. C'est joli. Et bizarrement assez relaxant. Une miniature du Kara. C'était un peu le Titanic turien. Du moins, c'est ce qu'il me semble. C'est... impressionnant. Même si je ne suis pas sûre de ce que c'est exactement. Moi non plus. On dirait un script carien. Ma parole, ça ne doit pas être tout jeune, ça. C'était quand la dernière fois que les cariens ont gravé quelque chose sur de la pierre? Ah bon, ça doit remonter, oui. J'ai l'impression que son regard me suit. Oh. Oui, c'est sûr, lui, même en plein jour, t'as pas envie de le croiser. Oh. Oh mon dieu, c'est là. Ne vous donnez pas cette peine, mademoiselle Goto. C'est protégé par un code. Il me semblait bien vous avoir cerné à l'entrée. Et je savais bien que si c'était le cas, vous trouveriez un moyen d'entrer. Vous me connaissez. Je déteste décevoir. J'ai besoin de votre boîte grise, Kasumi. Et je suis prêt à vous tuer pour ça. J'avoue que vos compétences sont remarquables. Vous êtes entré dans la chambre forte comme si la porte était grande ouverte. Non! Je peux avoir votre attention. Eh bien, ça l'a coupé net. Tuez-les! Préparez-vous. Je passe en mode furtif. Des plans. Il y a une plateforme d'atterrissage à l'est. On décampe. Joker, rappliquez avec la navette, vite. Je prends les armes, moi. Ce flingue a tué deux présidents. Splendide, non? Je suis sûr que Hawk ne nous en voudrait pas si on lui empruntait ça. Je vais prendre ça, on sait jamais. Bon, faut quand même remarquer, le mec a quand même la tête de la Statue de la Liberté dans son truc. Hein. Hop, on se recharge.
Je veux la tester, la nouvelle arme. Le nouveau gun, je veux le tester. Ah, pas photo, faut que je le teste. Pas mal, pas mal. Oh putain! Je crois que c'est celui-là. Ouais, celui-là il a sur les boucliers. Chacun ses délires. Oui, ça c'est sûr. C'est bon ? Y'a plus personne ? Attends, c'est un Mako ça ? Bref, c'est pas tout à fait un Mako. Avec ce qu'on a là, il n'y a pas moyen de péter une porte là, non. Ça m'a... Un espiègle sauvage apparaît, attrapez-le en tapant Poke Catch. Les gagnants seront révélés dans 90 secondes. Un petit panda espiègle. Hein. Un panda espiègle, un petit panda. C'est celui-là. Ensuite, on a... Celui-là est pour terminer. Celui-là. Mais passe pas devant moi! Comment j'ai fait quoi? Espiègle s'est échappé. Personne ne l'a attrapé. Il nous faudrait des armes bien plus lourdes que celle-là pour défendre ce cuve.
Il y a des trucs intéressants à venir choper là, je pense. Voilà, un petit peu de crédit. Ah, Soleil, comment j'ai fait quoi? Faire péter. Ne les laissez pas sortir d'ici. Ils ont quelque chose qui m'appartient. Pour avoir les morts que tu... J'ai pas compris la phrase. On a de la compagnie. Tu es seulement gun. Rapportez-moi la fille. Il y en a encore un. Là, bah, j'ai vu. Non, c'est bon. Pour savoir les mots que du texte, j'ai pas, je comprends pas ta question, Soleil. Parce qu'il y a des moments, ils t'ont demandé de compléter un morceau. Ah oui, ça, oui, je vois. C'est parce qu'en fait, alors... Tu as le texte qui te manque, en fait. Le texte que tu dois mettre. T'as une image sur le côté, mais là, je pourrais pas te le remontrer. Mais t'as une image qui te dit quel texte il manque. Je pense qu'elle est morte. Ouais, je pense que c'est bon. Du platine, on prend.
Ça, on prend. Je comprenais. Non. T'attends pas à du skill de génie ici, hein. C'est pas le lieu, c'est pas l'endroit, surtout avec moi. Non, c'est mal. T'as l'image du texte en fait. Putain, oui, c'est vrai. Il y a ça. Ça aurait pu se faire en douceur, Goto. Laissez-moi vous montrer comment ça se passe à la dure. À gauche. Ouais, tire. Putain, il a rechargé ses boucliers. Baissez vos armes. Wouhou! Ok, c'est F pour le... Qu'avez-vous dit à votre ami, Kasumi ? Que vous faisiez cela par amour. Vous avec ces boucliers au maximum. Si j'arrive à atteindre l'aéronef, je pourrai abaisser les boucliers. Je crois qu'il y a un bug là sur le chargement de des textures de Kasumi. Ou alors c'était hyper sombre. Thank you.
Non, c'est moi. À gauche. Faites ce que vous voulez de ces aéronefs. J'en ai tout un tas. Plus d'aéronef. Là, on va retourner sur le Normandie. Vas-y, atterris. Et on y va. Oh oui, oui, oui. Un goupilou sauvage apparaît, attrapez-le en tapant Poke Catch. Les gagnants seront révélés dans 90 secondes. Kasumi, si tu vois ces images, c'est que je suis mort. Toutes les informations que nous avons recueillies sont réunies ici. L'enjeu est énorme, Kasumi. Si le Conseil venait à apprendre ça, l'Alliance pourrait être compromise. Kasumi, j'ai crypté les informations pour les protéger. J'ai aussi chargé la clé de décryptage dans ta boîte grise pour que personne ne puisse réunir les deux éléments. Mais si je venais à mourir, et si quiconque venait à savoir, alors j'aurais fait de toi une cible, mon amour. Je suis désolé, vraiment désolé. Keiji. Je te connais, Kasumi. Tu vas vouloir conserver ces souvenirs auprès de toi pour le reste de ta vie. Mais tu n'as besoin d'aucun implant pour savoir que je serai toujours avec toi. S'il te plaît, Kasumi, détruis ces fichiers. Je ne peux rien faire de plus pour te protéger. C'est impossible. Je ne peux pas faire ça. C'est tout ce qu'il me reste de lui. Au revoir, Kasumi. Je t'aime. Goupilou a été attrapé par Asia Music. Vous pensez qu'il est possible de ne détruire que les informations ? Non. Keiji était un maître dans l'art du codage de fichiers. Il a mélangé les informations à ses souvenirs. Il est impossible de les faire s'exprimer indépendamment. Ah, le choix, le choix, le choix, le choix, le choix. Elle l'aimait. Donc, détruire ça, c'est détruire ce qu'il lui reste de lui. Ouais, c'est sa dernière volonté, mais c'est particulier, c'est compliqué. On va mettre là, au milieu, on va voir ce qui va se passer. Vous l'avez entendu, Kasumi. Il souhaitait que vous détruisiez les informations et que vous sauviez votre peau. Je sais.
Mais je ne peux pas, c'est comme ça. C'est tout ce qu'il me reste de lui. Ça, c'est pas à moi de le faire. C'est à elle. Vous devez le faire, Kasumi. Vous le savez pertinemment. Je... Gomen Nasai, Keiji-san. La nouvelle tenue de Kasumi. Voilà. Et pour un dépensier, on verra ça après. Mordine demande à vous parler. Ah, Mordine veut me parler. Je ne sais pas sur quel pied danser avec Grunt. Mon profil psy concernait Okir. De là à savoir si Grunt est mentalement stable, il y a un fossé. J'ai l'impression que rien ne lui importe, pas même la vie ou la mort d'autrui. Ne vous inquiétez pas, je ne le laisserai pas toucher à un seul de vos cheveux. Quitte à ce qu'on le touche, autant que ce soit vous. Enfin bref, quoi de neuf ? Il y a quelque chose que je devrais savoir ? Mordine voudrait vous parler, il est dans son labo. Autre chose, commandant ? Vous avez une minute à m'accorder ? Pour vous toujours, commandant. Je ferais mieux d'y aller. Très bien, on se parlera peut-être plus tard. On va aller parler à Mordine. Et on va se laisser là pour ce soir. Ça commence à faire fatigué pour moi. Je sais pas. Et puis j'ai un peu faim. Je sais que vous êtes débordé. Avec les récolteurs, les préparatifs d'attaque. Je ne peux pas attendre. Je viens de recevoir de nouvelles données. Toujours en cours d'extrapolation. Les données sont trop nombreuses. Impossible à hiérarchiser. Vous vous rappelez notre discussion ? Mon travail sur la modification du génophage. Vous me rafraîchissez la mémoire ? J'ai mené personnellement une équipe, créé une nouvelle version du génophage. En le libérant sur Tuchanka et les autres colonies, la démographie Krogan s'est restabilisée. Bravo. Je comprends mieux pourquoi Cerberus a fait appel à vous. Très difficile, oui. La stabilisation démographique était délicate. Une erreur, et c'était l'extermination. Vous comprenez ? Tant mieux. C'était nécessaire. Bon, et qu'est-ce que votre ancien travail a à voir avec mon aide ? Des mercenaires berserker ont capturé un ancien membre de l'équipe, Mylon, vu pour la dernière fois sur Tuchanka. Il risque la torture. On en fera un exemple. Vous me rendriez un service personnel en allant sauver Mylon. Vous pensez qu'ils ont découvert que votre équipe a mis à jour le génophage ? Incertain. Impossible à savoir avant d'atteindre Tuchanka. Cap sur Tuchanka. On va tâcher de retrouver votre collègue. Merci. Mon assistant, mon disciple, je tiens à sa sécurité. Vu pour la dernière fois vers le territoire Urnot, les éclaireurs ont peut-être aperçu les mercenaires. Allez leur parler, à eux ou à leur chef. Hop. On va quand même regarder les améliorations que je peux faire là en plus. Amélioration d'armure. Amélioration des boucliers. Ok, d'accord. Dégâts d'Omnitech. Ok, donc on va faire ça. Je fais les recherches, puis on va se laisser là pour se suivre. Ah oui, moi je commence à fatiguer, moi. Bon, voilà, c'est, il manque des choses, je pense. Parce que j'ai suffisamment d'éléments 0, donc il doit manquer des choses. Ah bah non, je peux le faire. Là... Ok, il faut encore des trucs à trouver. Amélioration d'armes... Ça, amélioration de vaisseau, je sais ce que c'est. Alors les prototypes, on va rechercher ça.
Ouais, il faut que je retrouve encore pas mal d'éléments zéro. Il va falloir que je regarde les planètes. Où est-ce qu'il y en a? Hop, on va laisser défiler les petits messages là. J'ai quel âge? Je suis loin d'être un grand grand garçon dans cette forme d'expression. J'ai 37 ans. Mais ça fait deux jours que j'entends pas mon réveil le matin et il faut un moment que je me pose, que je... Faut pas que je tire sur la corde non plus. Parce que j'ai un chronotype un peu chiant et voilà. On va prendre celui-là. Hop. Je vous bascule sur la fenêtre de chat. Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, en exclusivité, après avoir tout raté, après avoir tout perdu, y compris ses vêtements, celui qu'il faut désormais appeler Robert Lafondu. Hop. Vas-y, permets-toi une blague, hein, y a pas de souci, hein. De toute façon, avant de quitter, on va aller faire un tour sur Star Trek. Et alors, mode studio, tac. Ici. Et là, on attend, on vérifie. Bientôt, oui. Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, en exclusivité, après avoir tout raté, après avoir tout perdu, y compris ses vêtements, c'est vraiment parti en couille. Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, en exclusivité, après avoir tout raté, après avoir tout perdu, y compris ses vêtements, celui qu'il faut désormais appeler Robert Lafondu. Faut vraiment que quand je quitte le mode studio, je revienne sur la scène en cours, parce que Twitch chat, il aime pas. Donc je vais vous remettre sur la scène de jeu pour qu'on passe un petit peu sur Star Trek. Pas longtemps, parce que maintenant les trucs, c'est long à avancer, mais on se retrouve juste après. Un refuge qui s'appelle l'Oasis. Voilà, voilou. Hop, on récupère tout ce qui traîne. Alors, pourquoi le couloir? Alors, c'est une bonne question. Avant, quand je me suis lancé au début en solo, c'était l'antre des boulets, par rapport à des connaissances de l'époque. Des aléas se sont produits, ce qui fait que j'ai plus de contact avec eux. Hein. Je ferme pas la porte non plus. Hein. S'ils veulent revenir me parler, ils peuvent. Mais c'est ma modératrice, Blurry, qui, à chaque fois, au bout d'un moment, comme c'est elle qui a dessiné mon avatar, et qui a dessiné également mes emotes, et que j'aime les canards, oh la vache. C'est elle qui... À un moment, en fait, elle appelait toutes les personnes de ma communauté, elle les appelait tous des canetons. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est mignon. Et du coup, j'ai cherché un petit nom d'émission qui pouvait aller avec. Et, quand un œuf est couvé, bah, il est couvé, mais... Nous, quand on n'a pas de... Enfin, quand il y a... par exemple, si un zoo a un problème avec la maman pour l'œuf, ils le mettent dans une couveuse. Et, bah, ça s'est dit également
Un couvoir. Donc voilà pourquoi le couvoir. Vous êtes tous mes canetons et vous êtes tous couvés chez moi. Dans mon petit couvoir, bien à l'abri. Hop, on améliore. Hop, on fait une petite demande d'aide au cas où. En termes de recherche, est-ce que j'ai quelque... Exact, oui. Ça, on va l'augmenter. Hop. Ouais, faudrait faire 15, 5 levels à ce niveau-là, ça va être compliqué. Alors, toi, je peux t'améliorer, gérer. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, je peux te faire passer un palier supplémentaire, donc on y va. Et il va gagner... Oh la vache, 14 000 de stockage. Ça va être infernal, lui. Bon, l'autre, on va l'envoyer... Je peux faire quoi, celui-là? 3 kg au palier max. Ouais, c'est l'améliorer, là. On y va. Il est à son niveau max. On va l'envoyer... chercher des ressources. Galaxy. Qu'est-ce que j'ai besoin? Là. J'ai besoin de ressources comme ça. Non, bon. Arrête-toi. Voir le système. Un osselet sauvage apparaît. Attrapez-le en tapant Pokécatch. Les gagnants seront révélés dans 90 secondes. Un osselet, c'est pas souvent qu'il y a ça. Je tente une comme ça. Ouais, j'en ai encore. Je tente. C'est pas souvent que je vois des osselets passer, moi, donc je tente une clone ball. En avoir deux à la place d'un, c'est intéressant. Donc voilà. Voilà un peu le jeu Star Trek Fleet Command. C'est un jeu que je vais encore de temps en temps après la sponsor, plus souvent que Hunt Legion. J'avais dit ça pour Hunt Legion, mais il a fini par me lasser un petit peu. Star Trek Fleet Command, lui, il me botte un peu plus. Star Trek, j'aime beaucoup, je suis un fan de... pas un grand fan de l'univers, parce que je connais pas tout, mais je suis fan. Donc, c'est plaisant. C'est des space opéra. C'est tous les deux des space opéra. Star Trek, Star Wars, c'est tous les deux des space opéra. Et je te rassure, je suis également Oslo fan de. Attrapé par Asia Music, tous en soleil. Bravo pour ta capture, mais je suis également fan de Star Wars. Plus fan de Star Wars que de Star Trek. voilà. Je vais pas rester plus longtemps parce que c'est que des trucs d'attente. Là, on va pas attendre non plus 107 000 ans. Ça dépend des goûts, hein. Faut aimer, honnêtement, faut aimer. Hop, je repars sur la fenêtre de chat, et cette fois-ci, ce sera pour clôturer le live. Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, en exclusivité, après avoir tout raté, après avoir tout perdu, y compris ses vêtements, celui qu'il faut désormais appeler Robert Lafondue. Et par curiosité, c'est lequel de Star Wars que t'as regardé? Hop, alors. Je vais voir où est-ce qu'ils en sont dans leur live.
Voilà. Reste lancé, toi. Tac, tac, tac. Loctaria et Gorilla, je vais voir où ils en sont dans leur live. Je pense qu'ils en ont encore pour un petit moment, donc je vais vous emmener chez Loctaria. Ça fait un moment que je les parraine, mais je vais quand même faire un petit shout-out à Gorilla, puisque c'est un streamer de grande classe et de grande qualité. Shout-out, et je dois trouver son pseudo qui traîne là. Voilà. Hop. Hop, normalement, ça va être le bon. Voilà. Comme ils sont ensemble en plus à streamer. Voilà. Alors, petite information, hein, J'ai plus de lampe, j'ai plus de lampe, j'ai plus de lampe. Gorilla est un streamer de jeux d'horreur principalement. Oui, j'ai une barbe. J'ai une barbe dans la vraie vie, donc elle l'a mis sur le canard. Oh merde, faut pas que je m'approche de quand il danse. Donc je vais vous emmener en raid chez Loctaria, qui est une IA. Son personnage, hein, c'est une vétubeuse aussi, donc voilà. Je vais préparer mon raid chez elle. Elle me raid assez régulièrement parce que souvent je finis mes lives bien après elle, mais là, comme je l'arrête avant, j'en profite. Hop, ouais, 150 jours, ouais, on y va. Donc, je vais vous passer sur la petite fenêtre de fin de live. Et restez bien. Ceux qui sont en lurk, sortez de votre lurk pour suivre le raid, ça fait des points de chaîne. Le raid sera lancé en même temps que le générique, vous en faites pas. Moi je vous fais des bisous. On se retrouve mercredi à 20h pour découvrir un Souls-like ensemble. Celui-là, je pense que le live il va durer assez longtemps parce que je veux me faire une bonne idée, savoir si je pousserai un peu plus loin le jeu ou autre. Donc on se retrouve mercredi. D'ici là, prenez soin de vous, mangez, dormez bien, reposez-vous, hydratez-vous. C'est important, surtout que les beaux jours commencent à revenir tout doucement. Donc l'hydratation va devenir de plus en plus importante à la mesure que l'été va approcher. Donc n'oubliez pas ça. Et ben, on se retrouve mercredi à 20h. Allez, coin coin à tous.